Let's go. Coucou à tous, coucou tout le monde. Je vais la voix, trop bien. Coucou à tous. On est là, let's go. On est là avant 10. On est là carrément à l'heure, enfin, on est vraiment à l'heure là. L'après-midi. Dégommé. On est venu juste pour dégommer l'après-midi. Ouais. Non, on sera là à 15, sachez-le. Faites plus de prédit comme ça, ça allait venir avant. Oula. Oula, Saito. Ouais, quoi? Pourquoi je suis flou? T'es flou? Comment ça t'es flou? Okay. Regarde sur l'écran, je suis tout flou. Ah oui, c'est vrai que t'es un peu flou, mais c'est parce que ton chibi est de mauvaise qualité par rapport aux autres. Attends, si tu veux, je te... Ah bah vas-y, si je suis de mauvaise qualité, hein. Est-ce qu'on peut s'arrêter 3 secondes sur la personne, sur le pseudo de la personne qui a gagné les 3 qui a gagné? Ah bah oui, c'est fanfic MyLeaguexTeroic. Attends, mais tu connais pas fanfic MyLeaguexTeroic, Meli? Bah c'est un... Non mais c'est un viewer exceptionnel. C'est quoi, c'est comme ça, je connais pas. Bah c'est un viewer très présent sur les lives, fanfic MyLeaguexTeroic. Bah pas quand j'étais... Pas avant que je parte en... Ah bah écoute, il est connu de... Il est connu, bah écoute, enchanté, mais il y a une faute à mon prénom et je trouve que c'est le plus grave dans ce pseudo. Allez. C'est vrai que c'est pas très bien fait. C'est vrai que ça, malheureusement... Peut-être falloir refaire le compte, hein, désolé fanfic, mais... Ouais. Juste le compte, ça va. Il y a plus compliqué. Il y a plus dur. Suis en train d'essayer de retrouver. Bah écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Connu et reconnu. Oui, bah écoutez, il y a des gens, hein, on les connaît. Hein. Moi, il y a des pseudos que je reconnais beaucoup ici. Hein. On a vu Cutfork qui était là déjà avant le, mais oui, avant le début. Mais surtout ceux du Discord, on a l'habitude, on les voit beaucoup. Hein. Ben ouais, ceux qui sont sur le Discord, si vous voulez qu'on reconnaisse les pseudos, comme par exemple, Super Célio. Oui, Célio, voilà. On le connaît bien. Bien sûr, il y en a. Par ailleurs, Kitmoon, tes cheveux, franchement, très très soft. Hein. J'adore être dessus, c'est un pur plaisir. J'espère que c'est confortable. Hein. Ah bah, franchement, il y a de la masse, je peux m'y perdre. Je peux même y ranger des choses. Là. Je pourrais même mettre un peu d'acier galvanisé, ça va bien se passer. Ouais, mais fouille pas trop. Ah, oula. Oula, oh, bah, comme ça. Il y a des trucs bizarres dans tes cheveux, Kitmoon, c'est bizarre ça. Ça commence bizarrement. Bah, qu'est-ce qui se passe, Kitmoon? Pourquoi t'es... Oh, putain. Bon, on a l'habitude, hein. Allô, Kitmoon? Hein? Je crois que t'as bugué, t'as eu un petit hack là. Je crois mes cheveux ils ont bugué aussi. Ah tes cheveux aussi, merde. Bonjour à tous sinon. Ben ouais, bonjour, comment ça va dans le chat là? Pourquoi ça va? Oui, il est loin dernière, parce que je suis flou. Il est flou, donc j'ai dû le mettre petit. J'ai dû le mettre petit, désolé, malheureusement. Je suis en train de faire... Après, ça respecte la taille IRL, donc c'est cool, tu vois. C'est vrai, mais c'est Sarao qui ne fait malheureusement que 1m92 IRL. Ça, vous le savez pas. Mais... Ah, j'aurais bien voulu faire 1m95, mais bon, putain. Malheureusement, c'est... C'est vrai, ça? Seulement non, Meili, non, Meili. Non, pas du tout. En plus, Meili, tu m'as vu IRL, Meili. Vous êtes déjà vu, vous me connaissez, comment c'est possible? On s'est vu à Lille, Meili. Ah, il fait 1m95, moi qui croise Meili. Bonjour, je fais 1m69. C'est vrai. J'ai oublié ce soir. Salut Reggie dans le chat, j'espère que tu vas bien. Écoutez, moi j'ai préparé tous les trucs et tout. Normalement, on devrait être bon. Est-ce que tout le monde a réussi à rejoindre le serveur là? Non. Faut être dedans. Tu peux venir sur le serveur. On va devoir. On a même pas dit ce qu'on faisait. Hein. Ah bah non, vraiment, non, parce qu'il faut préparer. D'ailleurs, sachez que je l'ai même pas. Je viens de réaliser que je l'ai même pas préparé la scène du live. Sachez-le quand même, je suis vraiment une merde. Bravo. Je vais devoir le faire en direct. Vous allez le voir en direct. Je m'en suis rendu compte. Ah, c'est bon. Ah! Oui, on est tous en... Mais non, mais. M'invitez pas pour faire ça! Non, mais t'inquiète. On va. Kitmoon, est-ce que tu peux nous filer les objets dont on a besoin? Est-ce que je peux agiliser et pas me faire pour l'instant? Alors, vous allez voir. Est-ce que vous avez un peu une idée? Les gens ont un peu une idée normalement sur ce qu'on va jouer. J'en ai marre, attendez. Ah, mais je trouve normalement. Hello, il faut faire. Alors, vous allez voir. On va jouer du Minecraft, c'est le seul truc sur lequel vous êtes au courant. On joue aux gens qui tombent. On a pas encore lancé. Non, mais là, on discute, c'est normal. On va faire du skyblock. Non, on va pas faire... c'est pas du skyblock. Avant de lancer le skyblock, est-ce que dans le chat, est-ce que le son est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on entend bien une voix? Oui. Oui, dites. C'est pas du skyblock. Oui, ça va. Ça va. Allez, ça va. Yeah, c'est bon, tout le monde va bien. Alors, ce qu'on va faire, moi j'aimerais bien que, avant de montrer l'image au chat de ce qu'on va faire, c'est que Kitmoon, tu nous files les objets dont on a besoin et qu'on fasse ce qu'il faut faire. Donc les amis, là le chat vous voyez pas encore, mais on est en train de finir de préparer. Vous allez voir, donc Kitmoon va tous vous donner un objet, Vous allez devoir l'utiliser, c'est un objet que peut-être vous connaissez. Et vous allez le garder en inventaire H24, ok? Ok. Ah ok, il m'a... Alors c'était pas le bon. Ok, c'était pas le bon, mais c'est pas grave, vous allez voir. Parce que on va se retrouver dans un endroit un peu particulier. Ok. Hey, Oh. Moi j'ai quoi? Moi j'ai ça, ok. Toi t'as une flèche dans la main. Ah, vous allez voir. Mais quoi? Ah, j'ai raté. Mais putain, c'est tout. Tu poses tout le monde. Désolé, c'est pas. Ok, vous savez quoi?
Je suis déjà fatigué. Oh, il y a une jolie musique de... Oh, un West Gravity. Une live horror. C'est pas une map. C'est pas une map. C'est pas une map horror. Ah, Dieu sérieux. Ok, bon, allez, vas-y. Tu sais quoi, je vous montre pour qu'on prépare parce que sinon ça va prendre des années. Alors attendez, l'image va être noire donc il faut que je change des trucs. Attention. Préparez-vous. Oh, hop. Ça, il est là. Mais du coup, on l'a vu. Vous l'avez pas vu, mais on l'a vu partir dans. Attendez. Je vais faire bugger le serveur là. Je vais générer trop de chunks invisibles. Donc non, ça va en fait. Hop, est-ce qu'on voit ici? Merci. Attendez, je change les trucs en direct. Je change tout en direct. Ok, capture. Oh mon dieu, jeu. Ça va être génial. Oui, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Attendez. Ouais, ok, alors attends. Donc là, vous voyez ça. Faut juste que j'ajoute Kitmoon. Alors attendez. Pardon, excusez-moi. Kitmoon, il est ici. West. Alors vous voyez, désolé, vous voyez le derrière du le derrière de tout là. Kitmoon, il est là. Hop. Putain. Hop, et je le rajoute. C'est pas le bon West. Attendez, vous allez voir. Hein. Désolé, mais. Vous voyez le background du live en direct. Est-ce qu'on peut me tuer, okay. S'il vous plaît? Juste un petit peu. Ok, parfait. Pourquoi? Donc, on va faire du one block, les amis. Ah, mais Accroupissez-vous! Accroupissez-vous! Laissez la touche accroupie, s'il vous plaît. Laissez la touche accroupie, ok? On va faire du one block à 50 000. C'est quoi la touche accroupie? C'est voilà, tu l'as. Là, c'est bien. Ok, Kitmoon, t'es sur la bonne direction. Toi, Kitmoon, t'es la bonne direction. Kitmoon, il est sur Mario Galaxy là. Ok. Alors, je vous explique. Le principe, c'est que on va faire du one block, ok. Mais on va tous avoir une gravité différente. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube, j'ai trouvé ça génial. Donc, je me suis dit, on fait la même chose. Ok. c'est vraiment. Donc, on va tous être d'un côté, chacun de son côté du bloc. Ok, tous ensemble. Et on va chacun de l'autre côté. Donc, il va falloir d'abord qu'on arrive à setup. Donc, moi, je suis vers les. Alors, il faut qu'on regarde. Alors, attendez. J'ai pas de flèche. Moi, je suis nord, donc j'imagine que je reste sur le dessus. Moi, j'ai pas de flèche. Alors, mais, non, Mélie, je crois que toi, tu bouges pas justement. On va te laisser en haut, je crois. Il me semble. Donc moi, je vais être dessous, du coup, j'imagine, c'est ça? Oh putain, Et comment, moi, comment je sais de quel côté. Kitmoon, donc, comment je sais de quel côté je suis, moi? Moi, je suis vers le sud. Ok. Donc, moi, je suis sur le sud. Donc, Craig, t'es de l'autre côté. Craig! Wesh, il a réussi! Oh, il a réussi! What the fuck! Mais trop fort! Mais trop bien! Mais quoi? Mais ça de manière trop bien! Mais c'était hyper impressionnant! Mais vous êtes sur votre contrôle en fait, c'est tout! Ah, ok! Mais moi je suis. Et du coup, alors, non, mais attends, mais on a une chance sur deux, comment je fais? Moi je suis vers l'est! Ah bah c'était pas du bon côté, oui, tu as indiqué, mais. Toi t'es quoi? Ouais, mais je sais pas comment on voit sur F3 de quel côté on est. Alors attends. Aidez-moi dans le chat. Non, t'es du frère l'autre? Aidez-moi le chat. Là-bas c'est l'ouest. Là-bas c'est l'ouest, par là c'est. Donc moi je suis de l'autre côté, ok, moi je suis de l'autre côté. Il m'a menti! Il m'a menti! Il m'a menti! Alors, par contre, bye, Saito! Ta POV, ton FOV est terrible! Quoi? Il est trop grand? Quand on est à côté de toi, on est immense! Ah oui, mais j'ai un grand FOV moi, mais désolé, attendez. Je peux baisser Qu'est-ce que c'est que ce skin d'ailleurs? Tu es un poule? Ouais, je suis un poule moi. Je baisse un peu mon FOV. Ok. Donc, quitte-moi la menti, c'est pas par là, je suis par là moi. Ah d'ailleurs, est-ce qu'on pourra me donner un. Ok, ça y est, on y est. Attendez, alors vous avez un écran noir 2 secondes. Mais toi, t'as l'est. Hop, excusez-moi, je vais juste publier l'annonce sur le Club Pingouin. Ah, tu l'as là? Sérieux? J'ai pas. Ah, okay. Attends, je te redonne. Retourne. Très bien. Merci. Ok, donc vous êtes prêts? Bravo. Ok, ouais. F5, c'est trop bien. Mais pourquoi il a cassé le bloc? Ok, vous voyez? Alors voilà, alors le principe c'est quoi? Désolé. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est que. Attendez que j'explique le principe! Attendez qu'on explique le principe! Vas-y. Ok, le principe c'est que c'est ce qu'on appelle un one block, c'est-à-dire que le bloc que vous voyez au milieu, ok, à chaque fois qu'on le casse, il va réapparaître, vous allez le miner, vous allez l'avoir dans votre inventaire, il va réapparaître pour être autre chose. D'accord? Et plus on le mine, plus il va donner des trucs intéressants. Ok? Ouais. Vous avez suivi. Y a pas que Meili qui a suivi, vous avez tous suivi, on est d'accord? Oui. Donc à chaque fois que vous le cassez, il disparaît, il réapparaît en temps. Bon, au début on aura que des blocs pourris, puis plus on le mine, plus on a des blocs intéressants. Donc au début c'est paf, là on a du bois par exemple qui apparaît. C'est normal que genre les blocs de temps en temps. Ah bah oui, mais c'est parce que tout le monde va en récupérer un différent à chaque fois. Mais oui, à chaque fois que tu récupères. Oh mon dieu. Et du coup on bloque. Et dans le but évidemment. Tu sais pas qui récupère tout, mais je n'ai rien. Mais c'est Cray, regardez. Oh, j'ai rien non plus, Cray, il a tout. Mais toi. Tu l'as tapé. Putain, j'ai du bois. Oh non, mais il est. On tape pas le Cray. Il est pas tombé. Ok, moi je vais m'éloigner un peu. Déjà, je vais m'éloigner un peu. Ok. Mais cassez-vous. Adieu. Non, mais quelqu'un m'a poussé. Pourquoi vous m'avez. Mais arrêtez. Non, c'est honteux. Non, c'est honteux. Va falloir me kill, je suis fini. Hein. Je suis en train de partir. Ah, mais non. Oui, putain, parce qu'on tombe pas dans le. Bah oui, tu tombes pas dans le vol. Ah oui, on tombe pas dans le vol. Ah, mais putain, mais qui est là? Attends. C'est moi, mais du coup, il faut que je. Mais.
m'en fous, on m'a fait la même chose. T'inquiète, je me suis tué. On m'a fait la même chose, mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez arrêter d'aller sur... Non mais je me suis tué, Kikmoon, est-ce que tu peux laisser le keep inventory parce qu'en fait on n'a pas les... je pense que le keep inventory... Parce qu'en fait on récupère pas les flèches. On récupère pas les flèches, Je suis obligé de les give à chaque fois. Désolé, désolé. On va mettre l'équipe inventory parce que... Excusez-moi. Ouais. Je vais peut-être en problème technique, genre. Ok, ok. Ça roule. Ayaté encore. Ayaté, pas le bon côté. Non, alors ce n'est pas mon chien pour une fois, c'est moi qui ai ragé, donné un gros coup dans mon bureau et ça a fait tomber ma bouteille d'eau par terre qui s'est du coup oh, j'ai de l'eau absolument par terre pour tout le monde. Du coup, je vais nettoyer avant que ça sec dans mon parquet et okay, okay. Ayaté, arrête de boire l'eau, t'as une gamelle, non? Vas-y, file-nous la gravité, file-nous les trucs et laisse le keep inventory. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on voulait qu'il y ait que bordel. Les trucs de gravité qu'on garde dans notre inventaire, mais en fait, ça va être trop chiant, c'est long. Oh. Et vas-y, Kikmoon. Est-ce que tu peux juste. Voilà. Merci. Franchement. Et il manque. There is Star Man. Moi, je suis là, je crois. Ok, je suis dans le bon sens. Est-ce qu'on peut me faire respawn, ah s'il oui, vous plaît? Ah oui, t'es mort. T'es là. Merci. Je t'ai tué. Ok, ah, j'ai mon keep inventory. Okay, okay. Du coup, si je suis pas con, je dois mettre là et... Oui. Ok, et là, t'as mis l'équipe inventory, qui est de bon ou pas? Ouais. Ok, ok, parfait. Ah bah oui, mais du coup, j'ai même plus de blocs de bois, donc là, on est... Bah, ah, je suis foutu. Non, ça va revenir. Ah, ok, ok. Y en a qui reviennent de blocs de bois. Cry, il se met si bien niveau des blocs, c'est Cry... terrible. Mais Cry, c'est vraiment le nain mineur, quoi. Mais alors déjà, c'est pas ma grotte, moi, je suis excessivement déçu. Ah, mais tu vas t'en faire une, On perd les objets et tout. Toujours pas. Alors, attendez. Ok, on a une table de craft, Mais y'a quelqu'un qui a fait une table de craft. Mine pas. Ok, parfait. Mine pas. C'est la table de craft. Il nous faut une... Moi, il me faut une... Est-ce que quelqu'un a juste un de bois? Je serais très... Oh, un de bois. Attends. J'ai peut-être moyen d'avoir du bois. Non, mais Kikmoon, il prend tous mes blocs. Kikmoon. Mais putain. Kikmoon, rends les blocs. Non, il est tombé. Kikmoon, rends les blocs. Attends, je t'ai traversé. On a encore perdu ça. Putain, il faut le tuer à chaque fois. Ok, donc moi, je vais faire une mine. Déjà, je vais faire une pioche, moi. Putain, mais j'arrive pas à avoir un seul bloc. Okay. En fait, je pense que c'est une question de gravité. Oui, c'est une question de gravité, c'est ça le problème. Les blocs sont pas soumis à la gravité. Ok. Bon, moi, j'ai réussi à me faire une pioche. Quand il y aura de la pierre, on pourra le miner. Oh putain. Ouais, j'ai une pioche aussi, mais. Ok. Hop, c'est bon. Alors, ça faut pas le réutiliser. Ok. On a des melons et tout. Ouh, de la nourriture. Non. Mais quoi? Mais je suis passé à travers le bloc. Mais oui, c'est ma sucre. Non, je passe à travers le bloc. Putain. Ah, merci. Ok, je suis là. Je suis au bon. Faudrait qu'on se. Ça va être terrible. Ok, attendez, il nous faut des plateformes et tout parce que là c'est pas possible. Ok. Non, attendez, il faut qu'on répare tout ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui tombe de par là? Donc moi le truc c'est que, donc vous voyez le chat, moi mon truc c'est que, donc je suis comme ça, et là, le bon sens c'est comme ça, donc les blocs vont tomber vers le bas. Waouh, on a déjà des trucs de Nether. Ok. Ah, ça va un peu vite en fait. Je crois que ça va trop vite en vrai, mais c'est pas grave. Hey, Cry. Franchement je pense que 100 blocs c'était pas si mal en vrai. Ça va? Ouais. Ok. Bon hein. T'es où là? Hein. Ah, non. J'ai besoin de blocs. Non mais c'est trop dur du coup. Putain, mais c'est trop dur. Oui, ah là je peux mettre. Est-ce qu'on a moyen peut-être d'avoir tous la commande slash kill histoire qu'on force pas Kikmoon à le faire à chaque fois? Ouais, je pense que c'est mieux. Après on devrait vraiment mourir après à la suite. Ok. Ok, commencer les plateformes et tout. Donc moi, on va tous se faire un. Je suis sonker. Donc ça c'est notre univers le chat. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vient. Putain, on perd tout le monde. J'en ai marre, putain. Attendez, je sais ce qu'il faut faire. Attends, j'ai une idée. Je vais faire un... Pourquoi je suis tombé? Je comprends pas. Bah c'était de la canne à sucre encore. Ah, peut-être, oui. Ah oui, c'était de la canne à sucre, en effet. Oui, c'était ça. Je vais faire des panneaux pour ça. C'est trop bizarre de te voir comme ça. Que j'ai une idée. C'est excessivement perturbant. Et en plus, du coup, les deux mitales, ça marche pas, putain. Je suis perdu, il est où le bloc, putain? Non, c'est quel bloc? C'est où le bloc? Non, c'est lequel, Cry? C'est lequel, le bon bloc? J'ai perdu. Non, c'est où? Il est là. C'est... Attends, il est là. Le bon bloc, il est ici. Là. Attends, je vais mettre. C'est celui-là. Je vais faire des panneaux pour montrer où sont les blocs. Non, c'est celui-là. Mais j'en ai marre. Okay. Ça. Non, ça, je peux pas avoir le même bois. Je sais même pas. Oh, je suis une merde. Ok. J'ai besoin de plus de bois pour faire des panneaux.
Bordel. Je vais me mettre là, ouais. Ici, je devrais pouvoir les récupérer. Attends, putain. Non, tranquille. Oui, ça va être drôle, il disait. Ça va bien se passer. Ok, là on est bien. Non, mais c'est le temps. C'est ouais, le y a temps. De l'or. Oh, de l'or. Ah bah, oh. L'or, le problème c'est qu'on a. On a rien, on a pas de. Ça va en fait, on a perdu tout le monde. J'ai de la pierre. J'ai non. Deux de pierres, frère. Vraiment. Je veux bien parce que j'en ai trois. J'en ai un. Attends, vas-y, je te. Dans Minecraft Parcours Civilisation, on ne saute jamais pour le morceau de bœuf. C'est vraiment ça. Là, c'est Minecraft, mais c'est Minecraft Gravity Civilisation. Attends, tiens, Kitmoon. Tiens, Kitmoon, tiens. Je joue safe, la vie est belle. Je joue safe. Franchement, je joue safe. Vous en faites pas mieux. J'en ai marre. On fait que mourir à la chasse. Non, Saito, regarde. Attends, regarde-moi. Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. Tu vois, moi et Kitmoon. Ouais. Vas-y, Kitmoon, mets-toi devant moi. De toute façon, il est perdu le bloc, on s'en fout. Vraiment, regarde Saito. Kitmoon, il me dit attends, de moi. Attends, je vois passer. Attends, vas-y, j'attends que tu. Ouais, vas-y. Ok, donc je lui dis, il me dit, passe-moi la pierre. Je fais, ok, pas de soucis, regarde bien la pierre, frère. Merci, Jaeger. Oh, merci beaucoup, Jaeger. Merci beaucoup, Jaeger. Oh, on est perdu. Ouais, bon, on a pas de pierre. Bah, écoutez, faut se débarrasser des blocs, tant pis, on en trouvera d'autres. Hein. Mais je pense vraiment que, par contre, je pense que 25, c'était trop peu. Ouais, je pense aussi. Après, c'est censé augmenter à chaque fois, mais je suis pas sûr que ça marche. Ouais, je sais pas, on va voir. On verra, y'a Millie qui doit arriver au bout. Excusez-moi, vous êtes bubblé. C'est excessivement perturbant. Ok. Je récupère aucun bloc, c'est terrible. Je récupère rien du tout. Bah, en fait, la gravité fait qu'on se fait enculer. Mais ouais, la gravité fait que c'est moi qui récupère tout. Ah, attendez, cassez pas ça, c'est une pierre. Attends, moi je suis comme ça. Mais. Non mais attends, mais parce que... Elle est où la table de craft? Je peux plus miner. C'est terrible. Mais moi aussi, en fait j'aimerais être... Ah, oh, j'ai failli tomber. Je sais pas qui a fait ça, mais j'ai failli tomber. Je vais mettre un bloc de pierre. La table de craft, ça y est, je l'ai trouvé. Non mais mine pas sous mes pieds. Mais c'est un fou. Oh, de l'émeraude. Mais mine sous mes pieds. Non mais... On a toujours pas ce qu'il faut. Oh, c'est... Non mais toi vraiment, toi vraiment. Tu veux te battre. Oh. Adieu. Mais vraiment adieu. Crike a pris une balle perdue. C'était pas toi que tu disais, Crike. Oh oui, yes, on l'assassin. Oh, c'est coucou, ça arrive. Je suis là, bonjour. Bonjour, Maylie. Salut, Maylie. Tout va bien, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé, promis. On a tellement de boules. De fou. Moi, j'ai 5 minutes que je vous écoute en faisant un truc, mais. Ouais. Ok. Donc, attendez, il y a deux trucs. Déjà, le bloc. Attends, il est pourquoi j'ai de l'émeraude, moi. C'est une bonne question, Maylie, et tu fais bien de le souligner. Je pense que tu sais quoi, tout le monde se pose la question. Oh, du bois. Oh, oh diamant, putain, diamant. Non, mais non. De toute façon, on a pas de la pierre. Faire, hein. Mais ça, on peut pas. Ça, non. Mais ça, mais c'est parce que. Ah oui. Mais putain, mais. Mais c'est impossible de récupérer les blocs. C'est quoi le but? Le but, c'est de battre le Nord Dragon. Quoi? Attends, vraiment? Ah non, hein. Mais t'es malade. Non, mais une qui vous dit ça, c'est. Tout le monde c'est très bien. Ok. Mais je t'en donne, attends. J'ai besoin de terre. Ok, moi en fait, les blocs ils tombent vers moi. Ils s'en vont. En vrai, ça va si tu veux. Allez, Cray, en même temps, il me tape, tu vois. Enfin, genre. Ok, attends, mais attends, putain, mais Cray, c'est les mineurs. Mais arrêtez, c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Oh non, mais il est mort. Putain de sa mère. Oh, ça va être dur. J'ai la mort. Pourquoi j'ai dit oui? C'est terrible ce qui se passe, putain. Ah, c'est bon, je suis sur un spot parfait. Putain. Si quelqu'un a une pousse d'arbre, donnez-la moi, je vais m'occuper de tout faire pousser. Je crois qu'on a pas de pousse d'arbre. Ah, mais on perd pas notre stuff. Non, on perd pas notre stuff. Comme ça, tu peux remettre ta gravité. C'est pour éviter qu'il y ait que ce soit des catastrophes. Bah, après, Maylie, il a pas de gravité du coup, mais. Ah, oui, bah oui. Oui. Mais j'ai récupéré aucun bloc parce que Cray il mine tout. Cray c'est le nain. Il récupère tous les blocs. Arrêtez. Je n'ai rien. Dans mon inventaire. C'est vraiment. Non mais je n'ai aucun bloc. Mais c'est parce que c'est Cray. Mais Cray il mine tout. Arrêtez. Ah mais putain. Par pitié. Attendez. Je pense qu'une bonne stratégie déjà, ça serait de faire. On regarde où est la gravité, la vraie gravité. La vraie gravité. Et on fait tout tomber dans un bloc. Donc on fait tout tomber dans un vrai bloc, tu vois. Genre on se fait une petite cuve de récupération parce qu'on perd trop d'objets. Mais moi ils sont censés tomber vers moi les blocs, je comprends pas pourquoi j'ai rien. Mais en fait ils tombent vers toi. Ils tombent pas vers toi, loulou. Non mais ils tombent en fait le bas. Moi je suis vers le bas. Là.
Il tombe vers le bas. Non, il saute des fois et tombe vers le bas. Non, regarde, il saute derrière Maïline. Ouais, c'est ça, parce que en fait, moi, dans mon dos, là où je suis, c'est le vide. Le vide normal. Ah, mais putain. En fait, c'est horrible parce que. Pas rien, putain. Mais j'en peux plus. En fait, je suis à la pire place, par pitié. On en reparlera. Ouais, alors, t'as quand même le sens normal du jeu, quoi. Oui, mais de. Premièrement, je me tape tous les gens qui spawnent, du coup ils me poussent. C'est vrai. Deuxièmement, voilà, comme ce qui vient de se passer là. Mais Meili, ensuite... fais-toi une base. Et ensuite. Putain, j'en ai marre. Meili. Et ensuite, les gens. En fait, quand on mine. Enfin, quand ça mine dessus, bah des fois le cube il disparaît, du coup je tombe. Oui, c'est ça. Non, mais Meili, en fait, faut pas que tu restes sur le bloc, fais-toi une base. Quelqu'un de la pierre pour choper le bloc. Peut-être si tu veux, là, regarde. Hop, regarde, je te mets des blocs, connais-toi. Bah décale-toi, reste pas sur le bloc. Deux pierres moussues. Recule un peu. Tu vois, genre là derrière toi, tu peux reculer par là. Ah, Craig, t'as moyen de poser un bloc sous tes pieds. Genre, tu vois, ou là par exemple, tu te mets ici. Oh merde. Juste pour que je puisse. En fait, ça me perturbe des fois, je suis même pas sûr dans quel sens moi je suis. Un instant, y'a pas quelqu'un qui a récupéré un coffre normalement? Ok. J'en ai deux, j'en ai trois. Ah, si, mais comment vous avez trois coffres? Moi j'ai quatre parts de melon et deux bois. C'est tout ce que j'ai récupéré depuis le coffre. On est d'accord, tout le monde, on joue ensemble là. Mais on oui, est bien, genre, bien sûr que oui. Oui, il n'y a pas de. Ok, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut poser un coffre de chaque côté. Là, il y a un coffre ici. Maïli, je vais te donner un. Oh, putain de merde. Oh, qui me pousse Il faut faire une plateforme plus grande en fait. Mais le truc, c'est que. Oui, là, on se bloque en fait. Le truc, c'est qu'en fait, on est à l'envers, moi, Sario. Il faut jouer sur le fait qu'on a plusieurs niveaux de hauteur. Et typiquement, le coffre qui est là, faut qu'il soit juste accessible pour Maïli. Parce que moi, typiquement, tu vois là où je suis actuellement, j'ai creusé un trou, j'ai accès. Putain, regarde, Maïli, je t'ai mis un coffre ici là. Pourquoi? Moi, ce coffre, les trucs, c'est pour qu'on ait des échanges. Il est là, le coffre, c'est celui-là? Il est à côté, ouais. Ok, je mets les trucs que j'ai dedans. Je suis en train de créer une petite plateforme hors du truc. Et bon, malheureusement, dans mon sens, il va falloir vous débrouiller pour essayer de venir. Mais on peut stocker des trucs à l'abri de tout. Mais attendez, genre si on a vraiment besoin de trucs. Je vais laisser la musique de fou derrière. Oh putain, c'est pour ça que je comprenais pas. Je vais laisser une musique en plus grand. Ah, attendez. Hop. Ah putain. C'est mieux comme ça. Ah, la connerie, mais bordel! Ah, il faudrait des échelles pour compacter. Ah, des échelles, ça nous mettrait bien, mais en fait. Oh, c'est ouais, le problème, c'est que des fois, on se fait des passages et il y a des gens qui viennent et qui cassent les blocs et du coup, les blocs sont pas ça. Attends, moi je. Ah, attends. Mais problème, pourrait peut-être faire une espèce d'échelle centrale ou je sais pas, avoir un truc. Okay. Peut-être que ce qui nous mettrait bien aussi, c'est d'avoir. J'ai cliqué sur la table de craft. C'est que les gens, ils fonctionnent par opposition. Genre par exemple, Kit et Cry, vous êtes les opposés, donc si Cry, tu fais une plateforme, elle marche aussi pour Kit, mais à l'envers. Et moi et Sario, c'est pareil. Ah, c'est vrai. Moi et Sario, on est les opposés. Est-ce qu'il y a un moyen de reset pour qu'on commence à zéro? Parce que là, il y a déjà plus de bois, on est sur les lapis-lazuli et tout. c'est terrible. Ça serait peut-être une bonne idée. Ouais. On recommence? Mais pourquoi il n'y a plus de bois? Parce qu'en fait, le jeu, plus tu mines, plus il va y avoir des objets. On a vraiment fait que miner et on n'a plus rien. Et donc, Non, mais il n'y a jamais eu assez de bois pour tout le monde. Si, bien sûr. Ah bon? Mais on en a perdu. Alors, si on était organisé et que la moitié des blocs tombaient pas dans le vide. Oui, non, mais si on jouait, si on faisait attention. Plutôt que de miner continuellement sans se réfléchir, bah oui, on aurait pu. Après. Non, puis il y a le problème de. On n'a pas eu de pouce aussi. Je sais pas si on a forcément besoin de pouce d'arbres. Ah, pour faire pousser des arbres, c'est pas mal. Oui, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que. Si, c'est pas un skyblock, c'est un one block. Avec juste le bois, on peut se faire les outils dont on a besoin. Hein. Et après, bien sûr. Il n'y avait pas l'air d'avoir tant de bois que ça. Hein. On a eu beaucoup de bois quand même. Ah ouais. Non mais après en vrai on peut tendre. Oh là là putain je me fais. En fait le problème c'est que là on a pas de pierre. La vérité c'est que c'est la pierre qui nous manque là. Je pense malheureusement qu'il va falloir reset mon bon Kit Moon. Est-ce que tu penses qu'on reset et qu'on met plus de trucs entre les trucs? Ouais on peut mettre un peu plus long. Ouais on met 50 au départ, double. C'est mieux. Double. Ouais 50 au départ. Ok on va reset. Ok on était nul. Au revoir Kit. C'est que tout tombe. Non je ne tomberai pas. Ok. On a été nul le chat, on recommence. On recommence parce que vous voyez bien qu'on est dissipé. Tu tombes, Saito. Ça n'arrivera pas, Sario. Alors ça, on tombe ensemble. On tombe ensemble. Ah non, ça va être déco. On est déco. Ok, pardon. C'est pas grave. Genre là. Ok, pardon. C'était n'importe quoi. C'était vraiment, très mal. Saito a raison. Il faut qu'on se fasse un truc par opposition et il faut qu'on mette un espèce d'escalier central qui nous permette de naviguer d'un point à un point entre les deux. Concentration. On joue en team. On joue en équipe. On est en équipe. En équipe. Sario et moi, on est les opposés. Cry et Knut, vous êtes aussi les opposés. Maëlie, elle a l'axe originel. Ok. Donc. C'est moi l'axe originel. Maëlie, c'est l'OG. Tu es RN. Maëlie, elle est OG. Une proposition. D'accord. Du genre d'équipe en proposition. Oui, vas-y. Est-ce qu'avec la terre qu'on a au début, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'organiser pour faire un cube
autour de la zone du bloc. Comme ça, à chaque fois, pour éviter qu'on se vole à chaque fois, on dit « Ok, c'est moi qui vais, tu peux récupérer les blocs pendant que les autres font les trucs autour sans qu'on se vole, ainsi de suite, tu vois. » Ouais, je propose qu'au début, on désigne... Enfin, une fois qu'on a les blocs de terre, etc., et qu'on s'est fait une bonne forme, on désigne un mineur. Cry est bon en mineur. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. J'ai cru comprendre que Cry voulait miner. Donc, Cry, il est de minage, il met des coffres autour de lui, etc., et il trie les blocs, il nous file les blocs. Oh, merci beaucoup, Kéorg. Oh, merci. Merci beaucoup, Kéorg, pour l'abonnement. Ok. Saito, le mastermind, Saru, l'homme du terrain, Cry, le hacker, et Meli, bah c'est Meli. Mais est-ce que c'est pas Meli, celle pour ça qu'on l'aime. Wow. Alors, dis, apprends à écrire mon prénom. C'est Maëli. C'est vrai qu'il écrit très mal ton prénom. C'est vrai que Meli fan, c'est gravissime d'avoir un prénom en rapport avec Meli et qui c'est de te tromper de sens. Tu nous dis quand c'est Je me suis connecté au serveur, je suis sur un truc bizarre, Kitmoon. T'inquiète, il est pas en ligne encore. D'accord. C'est mineur. Parce que Cry, il aime bien miner. Ok, on. Ah ouais, okay. Ça vient d'où, hein. Deuxième chance. Bah, t'as pas vu que là. On... Comment ça, c'est lui mineur? Non, c'est moi. Cry, il est là, il a. Fait... T'as pas oh vu non, qu'on a lancé le jeu et qu'il l'a fait que miner tous les blocs pendant 25 minutes pendant que t'étais pas là? Et il ne faisait que ça. Oui, c'est Cry, il a fait que miner. Cry, il... Mais même dans le dernier live Minecraft qu'on a fait, il faisait que miner aussi. Mais oui, bah j'aime miner. Cry, il est vraiment, c'est le mineur. Hein. Moi, j'aime miner et construire, tu vois, c'est pour ça que je joue à Minecraft. Hein. J'ai du mal à comprendre le jeu. Non, mais vous inquiétez pas, nous aussi, on a eu du mal à comprendre. On va reprendre. Il y a un plan à avoir. Encore une fois, faire la sphère de récolte au milieu, c'est une bonne base pour éviter qu'on se marche dessus. Saréo, je sais qu'on a laisser le carré, enfin le bloc central vide autour et comme ça juste une dessus. Ouais, c'est ça. Écoute, Saréo, on a un passé disruptif tous les deux à cause de nos histoires et tout machin, mais on va être les inverses aujourd'hui. Donc je te propose. Écoute-moi. On avance main dans la main. Écoute, bébé. Dis-moi. Toi et moi, c'est pour la vie, même si on a eu un passé un peu compliqué. Je serai là pour recoudre tes chaussettes. Même si aujourd'hui t'es en Australie et que moi je suis resté en France. Je suis toujours en France, mais je t'en veux pas. Ok, bah c'est moi qui suis en Australie. Mais parce que t'es à l'envers, Saréo. Ah bah oui, ah oui, la vanne. Ah pardon. Oui, je suis en Australie. Merci. On fait un beau sandwich. Merci les sandwichs. Wow. Moi j'adore les sandwichs. Opinion sur les sandwichs. Dédicace sur les sandwichs. Club. Dona. Bah Club Dona, Pingouin. C'est beau. Club Pingouin, techniquement c'est un peu comme le Club Sandwich, mais c'est juste. Club Pingouin. Non, ça a plu à personne. Ouais, écoutez, moi je m'en vais. Hein. Dans le chat, vous pouvez faire des blagues sur les sandwichs. Ok, dans le chat, la meilleure blague sur un sandwich gagne quelque chose, je sais pas encore quoi. Non, personne de blague sur les sandwichs. Ok, saucisson. Un pingouin en triangle. Wow. Oh, c'est pas une. Saucisson Nutella à la base. Ah. Saucisson Nutella, c'est dur. Ah, je vois qu'il y a des gens qui mangent aussi bien que Maxime Biaggi, c'est cool. C'est un modérateur qui a dit saucisson Nutella. Enfin, peut-être il va falloir se calmer. Hein. Le sandwich. Bah là, c'est dur. Hein. Là, désolé, il va falloir le Jean de Wish. C'est quoi ces blagues dans le chat, le Jean de Wish. Oh mon Dieu, je dois avoir encore la vidéo. Je dois encore avoir les rushs de la vidéo, Saito. Ah ouais. Bouge pas. Non, c'est super Célio. Bouge pas. Ne bouge pas, frérot. Si je la trouve, c'est incroyable. Est-ce que ça va en ligne, Kitmoon? Oh mon Dieu. Non, j'en ai pour 2-3 minutes encore. Saito, okay, ça roule. Vas-y, dis-moi, Saito. C'est très vieux. Il dit à 3 ans, ok? Ok, 3 ans. Je t'envoie un truc, je te donne l'autorisation de le montrer. Ok. Si tu le souhaites. Très bien. C'était au tout début de Club Pingouin. Ok. Merci Sakuto. Oh merci Sakuto pour les tirs. Merci. C'était au tout début de Club Pingouin. Vas-y, tu l'as envoyé en MP. Je te l'ai envoyé en MP. Ok. Alors attendez, je vous affiche cette coupe de cheveux. Oh, cette coupe de cheveux, frère, j'étais pas bien. Alors attendez, je vais essayer de vous l'afficher. Donc paf, paf. Je vais le mettre là, je pense. Là, je vais en plein écran. Comment je vois ça. Frérot, là... ça va être cringe. C'était un test et de base c'était pour. Tu veux pas qu'on le montre parce qu'on peut le montrer en attendant. Non, tu peux le montrer. J'ai tout le play. Tu sais quoi, je suis heureux qu'on le montre. Je vais donner un peu de contexte. Au tout début de Club Pingouin, il y avait eu une vidéo sur Dead by Daylight et dedans il y avait un objectif de sub, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le but c'était de faire. Merci Super Celio. Un genre de wish, c'était un sandwich où en fait tous les ingrédients que tu mettais dedans, c'était avant que les trucs avec Mastu et Joyka arrivent, où tout ce que tu mettais dedans, bah, c'était du hasard et on voyait tu vois, ce que ça allait être. Tu vois. Et j'avais invité du coup en même temps un ami et un fan du Club Pingouin à participer. Tu vois, okay, c'était un abonné.
Et donc là, ce que vous allez voir, ce sont des rushs qui, au final, on les a pas utilisés. Ma coupe de cheveux, j'étais en pleine transition pour avoir ma couette. C'était horrible. J'avais pris du poids de fou, c'est dans mon ancien appartement. Mais là, vous avez devant vous, en exclusivité, les rushs non montés de la vidéo Jean de Wish, qui est d'un cringe incroyable. Je ne savais pas quoi faire de ça et c'est juste planqué sur mon YouTube, tu vois. Écoute, je nous baisse un petit peu. Et tu veux qu'on regarde ça ensemble avec le chat ? Si vous voulez, après, oui. Si tu peux nous faire un partage, Saito, pour qu'on ait le son en direct, histoire d'éviter de... Oui, alors attendez, comment je fais ça ? Parce que moi, j'ai une capture... Oula, le partage, c'est sûr ? Sur Discord. Si je fais un partage d'écran sur Discord, ça va faire planter le stream. Ah merde, ah oui, putain, on va regarder le stream. Vous allez regarder le stream, ouais. Plutôt, je pense. Bim, et alors il faut que vous ayez le son, quand même, c'est un peu important. Le son de Discord, est-ce que si là je mets du son, vous avez le son de Discord là ? Enfin, le son de... Bogos, Aréo, pas du tout. Est-ce que si là, vous avez le son de la vidéo sur si cette je fais vidéo, ça ? Alors, pas du tout. Ah, oh, je crois que vous avez le son. Je crois qu'effectivement vous avez le son. Ok, je monte encore plus le son. Ok. J'ai le clap. Ok, on y est. Vous savez pourquoi on a ce plan, si vous nous suivez sur Twitch, Trasher, hein, n'oubliez pas avec un S à la fin. On est là pour faire le Jean de Wish, El Famoso Jean de Wish. Pour rappel, c'était sur un live, vous avez peut-être vu la vidéo Dead by Daylight, je vous la conseille, elle est très très cool. Où on se retrouve avec un joli petit monsieur qui fait son sandwich jambon beurre, mais qui a un très joli accent. Enfin bref, le Jean de Wish, on s'est un peu fait plaisir. Donc la personne qui est là, c'est Kazoo, le premier mec qui a fait un sub gift pour... Le Jean de Wish, merci mec d'être venu. Je t'en prie. Et du coup, on va passer directement, on va pas s'embêter, à la première phase avec la régie. On a eu un petit plan incroyablement génial. On a des petits numéros ici. Je meurs. Nous, on va avoir les yeux bandés là, tous les deux. Bon, il va y avoir deux versions du Jean de Wish. Donc, on va choisir nos ingrédients totalement au hasard. Petite chose supplémentaire cependant, on a trois ingrédients qui sont bons, qui passeraient mais de ouf dans un sandwich. Et un ingrédient, c'est de la merde. De la merde, c'est tout. Je donnerai pas d'exemple, vous allez le découvrir en même temps que nous. On a acheté les ingrédients, on sait ce qu'il va y avoir dedans. On prie juste pour pas tomber dessus. Vraiment, il y a des trucs. J'espère que tu vas les manger. Non, j'ai pas envie. Ah, si. Moi, tout ce que je vois, c'est le artbook Full Metal Alchemist à droite. Mais... On le partage en deux, c'est vrai. Chacun son il est vrai. Voilà. Moi, ça c'est mes le premier commentaire que je vois par rapport à ma couche moi, franchement, je trouve c'est ça pas horrible. Pas, je ressemble vache à un sac poubelle, quand même. J'ai oublié de préciser un truc assez important, vu que bah, le choix des ingrédients, il y en aura forcément un qui aura 4 choix au lieu de 3, donc il aura plus de chances de pas tomber sur de la merde. On va faire un tout petit pierre-feuille-ciseau pour voir qui passera en premier. Mais alors, oui. On compte le plus ou pas ? Non, 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 pierre, feuille, ciseau. Tu me mets pas de règles. Vu que j'avance un peu. Il y a zéro problème. Non, ça va, t'inquiète. Ça va. Et c'est quoi cet endroit ? Moi, je me note, c'est quoi cet endroit ? C'était mon ancien appart. Yes ! Pierre, feuille, ciseau. Ah, mais c'est stylé. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Oui, le redblock, elle a sa choix. Kitou est en train de refaire le stream. Okay. Enfin, c'est up là maintenant. On s'en est pas encore, bien joué. Non, c'est pas grave, je vous ai dit. Je choisis un premier. Je vous présente la chose qui va nous permettre de nous cacher les yeux le temps non, que le régie nous amène les ingrédients. Tu dis qu'on je suis connecté dans le dernier boulot. À sortir de la salle. Tu vas dire que c'était pas bon. Vous voyez, on bah, je suis vraiment connecté. Ouais, c'est ça, mais en même temps, t'es juste en salle. Ah bah c'est bon alors, c'était plus rapide que prévu. Ok, est-ce que tu veux. C'est quoi ? Vas-y, dis-moi tout. Tu veux qu'on avance un petit peu parce que là, le serveur. Tu fais ce que tu veux, Saito. Tu fais ce que tu veux. Et donc, est-ce que tu vois manger le sandwich à la fin ? Ah oui, oui, on me voit. Alors, on nous voit créer les sandwichs et ce qu'il y a dedans, c'est horrible. Quoi ? Attends, moi, je veux te voir croquer dans le sandwich, c'est ce qui m'intéresse. 3, 2, 1, 0. Putain, mais t'as l'air de bien aimer en vrai. Alors ça m'a surpris au niveau du goût. Ça m'a surpris au niveau du goût. Mais frère, le ref a mis des morceaux de bleu immense dedans. Le bleu, il est crémeux. Le bleu, il est crémeux. Ok, bah écoutez, finalement, le jour de Witch, pas si mal. Et le second, j'ai vidé un pot de harissa complet sur le pain. Bah écoutez, fan de harissa, fan de bleu. Voilà, c'est tout ce qu'on retient. Franchement, moi, je trouve que c'était pas si mal. Hop, on revient ici.
Bah, écoutez... Non, moi je retiens que ça vaut un artbook. Je tiens à préciser d'ailleurs que le petit truc que portait du coup Kazuya sur la droite, c'était, ça venait d'une opération sponsorisée Nintendo. C'est pour ça aussi qu'elle est jamais sortie. J'ai réalisé qu'après qu'on avait mis un objet un petit peu normalement qui devait pas sortir des cartons sur une vidéo, j'ai fait ouais non en fait c'est bien, on la poste pas. Ok, on est de retour dans on le. On peut se connecter ? Ouais, on peut se connecter. Attends, est-ce qu'on y va pas un par un, Kid Moon, et que tu nous files le truc pour qu'on soit déjà sur le truc et qu'on se pousse pas tous. Moi je suis déjà dessus. On est dessus là. On est dessus accroupi. Oui, mais moi aussi je suis accroupi. Ah non, mais attends, pourquoi je fais. Mailly, ah mais non, on n'est pas sur le bon serveur. Kid Moon a refait un serveur. Comment ça ? Ouais, c'est un nouveau. Ah, voilà, c'est un nouveau. C'est bien ce que je me disais, il a mis un nouveau lien. Ah, ok, pardon. Alors, désolé, excuse-moi le chat. Je me sentais vraiment seul sur mon blog. Genre. Salut, Mailly. Oh, salut. Coucou, Mailly. T'as mis un nouveau lien, je t'ai juste reset. On peut pas tomber si on est accroupi ? Non, si t'es accroupi, en fait, le bord du blog te retient. Désolé. Hein. Ok. Je savais pas. Ok, je vais l'appeler Kid Moon 3. On a commencé à avoir beaucoup de serveurs là. Mon jeu a crash. Okay. Yes, I. Yes. Je suis là. Alors, attends, il me fait pas tomber parce qu'il faut que je change de scène. Hop. C'est la POV de Saito. Ok, c'est la POV, c'est bon, on y est. Ok, let's go. J'ai vraiment l'impression qu'on fait un plan, genre... Oui. Alors, comment on va faire pour se débarrasser ? Quand Kid Moon est arrivé, on lui dit bon anniversaire et surprise. Non ! Ah ! Non ! Saro m'a trahi. Saro me trahit. Oui. C'est pour ça qu'on est une phrase ensemble. Sortie à chaque épisode de Club Pingouin. Ah tu la cherches, je pense. C'est que vengeance. C'est mérité. Non, okay. Tu n'as rien arrêté sur le live parce qu'on a redémarré. Ouais, on a retourdémarré parce qu'on est nul. Ok. Ouais. Ok. On a tenté. Ok. C'est bon, Kid Moon vole. Kid Moon est volant. Ok, Kid Moon. Kid Moon, tu nous setup tout. Ok. Bonjour, Kid Moon. Bonjour. Attends. Ouais. J'ai ton gros bras sur la POV du stream. Genre, à chaque fois que tu parles, tu me le mets dans le visage. Mais alors, c'est pour sérieux au départ. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, attendez. Faut que Mais tu veux tester une direction ? Attends, non, je peux vous inverser dans le sens. Alors, attendez. Kid Moon. Moi, je quoi te Est-ce que tu veux tester d'être avec la gravité changée plus tard, t'es... Alors, vu mon niveau, je pense que tu devrais le donner à quelqu'un. Essaye quand même, mais il essaye quand même. Clique droit. Et voilà! Hop! Et je mets Kid Moon plus haut. Non! Parfait. On casse rien pour l'instant, c'est bon. Non! Désolé le chat, c'est bon. Non! Je crois que c'est encore Mailly qui l'a eu. Non, c'est vraiment bon là. Ah, mais on a plus Mailly. Elle est quoi la Nord gravité déjà? Est-ce que je peux. Oh, joli! Toi t'es Nord, Sarah, ok. Est-ce que je peux avoir le Sud, moi, Kid Moon? Ouais. Je suis le Nord. Ah, c'est tombé dans le vide. Il est tombé le Sud. Le Sud. On a perdu le Sud. On dirait le Sud. Le temps dure longtemps. Mailly attrape tous mes blocs. Mais c'est quoi ? Mais c'est pas moi. Mailly, elle me vole tous mes trucs. Mais toujours, avec toi, je me fais toujours accuser de choses. Quelqu'un me l'a demandé dans le chat. Oh là. Non. Je suis désolé, Cry. C'est quelqu'un qui m'a demandé dans le chat. T'as pas donné. T'as pas une flèche, belle flèche de nord. Et Marvel Go qui a demandé les modos, on le banne. On banne Marvel Go là, Allez, Marvel Go, allez hop, let's go. Non, Marvel Go, on le connaît en plus. Okay. Coucou. Je peux pas te donner. Alors, c'est quoi le principe de là ? On va refaire une présentation, vous en faites pas. Je peux pas donner. Il y a plein de gens qui sont. Ça, parce qu'on a pas joué, il y a genre 100 personnes qui sont arrivées entre le moment où on jouait pas et le moment où on s'est revenu. Ah, mais. Mais non, il faut pas l'activer ! Vraiment. Et vous remarquez. Vous savez, le live, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que. Ah, mais en plus, je suis immortel parce que je suis en. Gravité du coup, je ne meurs pas. Tu peux te kill. Hein. Ah merci. Kid Moon qui essaye de faire en sorte que tout fonctionne, mais il y a genre 4 débiles qui sont là en mode gay. Ah bah j'ai pas changé de gravité, merci. Non, ok, parfait. C'est pas le comment c'est pas le bon ça, on m'inclut là-dedans. Mais non, mais je t'inquiète. Attention. Pas, voyons. Jacques, le tout à fait, mais j'arrive pas. Non. Ah merci. Ah, je peux faire comme ça, ok, c'est drôle ça. Kid Moon. Ok. Ah, attendez. J'ai des flèches, y'a des trucs bizarres dans mon inventaire. Mais je peux les jeter dans le vide. Je ne peux pas. Essaye de. Mais j'en ai marre, je fais que tomber en boucle. Mais vraiment, je fais que tomber en boucle, c'est honteux. C'est honteux. Enfin, c'est la POV quand même, s'il vous plaît. Laissez. Mais qu'est-ce que tu fais, Saito, putain. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait. Comment il s'appelle, Kid Moon m'a filé des trucs. En fait, je change de gravité, je fais que tomber. Ok. Laisse Kid Moon s'occuper de toi. Non, mais c'est juste lui qui m'a envoyé dans une gravité et je mourrai en boucle en fait. Ah. Il m'a juste gravité. Kid Moon du coup.
Allez. Ok. Allez, vas-y, Cry. Okay, Cry, c'est bon. Ok, ok, on y arrive, le chat, on y arrive. Après, on y arrive. Elles arrivent, les esquisses. Et c'est le nord. Moi, j'ai besoin du nord. C'est le nord. Ok, donc là, je fais. Ok. Vas-y, là, positionne-toi. Ah, c'était le sud. C'était pas l'ouest. Oupsi. Ok, je reviens. Attendez, je reviens. Il va repasser normalement à toute vitesse. Je me suis changé de sens. Je pense que j'aurais repassé, non? Oui, regardez, je suis là. Attendez, je vais y arriver. Attendez, j'arrive. Oh, le missile. Il est où? Il est là. Ok. Il est où? Il est pas. Attendez. Tu vas y arriver. Attendez, wow. Je peux le faire. Oh. Tu vas mourir de dégâts de chute. Voyons. Ouais, je peux le faire. Géométrie d'âge. Je peux le faire. Pam 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 pam. Ça va le faire. Ça va marcher. L'avion. Oh merde. Pardon, c'est toi. Non, ça a marché. Je pensais que ça allait t'aider, ça a fait le contraire. C'est horrible. Ce moment, vraiment. Vraiment, c'est toi qui passe, ça fait des... Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que... Attendez, mais c'est les gens qui doivent être malades dans le chat. Ouais, je vous en supplie. Vous vous rendez compte quand je m'excuse. Ils vont amortir la chute. Ils vont amortir la chute. Ah, il est là. Mais non. Non, j'avais réussi. Pourquoi vous le tapez? Vous êtes pas... Mais j'en ai réussi. Il était pas du bon côté. Sa route est horrible avec lui. Mais regarde, il est du bon côté. Salut Saito. Et du coup, je suis au bon endroit là? Oui. Oh ouais. Putain, mais vraiment, mais je vous jure. Non, mais ce moment de... Un instant. Je me mets un peu de musique en fond parce que je suis en train de... Ok, creux. Donc moi je suis sud, on est d'accord. Mais c'est bon. Ouais. Donc ça. Oh putain. Hop, j'en ai pas besoin. Ça, je dégage. Ok, alors attendez. Bordel. On s'organise. Tout le monde. Ok. Oui. Meili, t'es au-dessus. Donc il y a très peu de chances que t'obtiennes des blocs directement quand on les casse. Ça va certainement être Cry, moi, Kit Moon ou Zaitoshi. Zaitoshi. Oui. La première personne qui récupère le premier bloc de terre sera désignée pour les récupérer prochainement. On lui donnera tout dès qu'on aura un coffre ou la possibilité d'en créer un. Ça vous va? Ok, ça me va. Okay. Il faudra qu'il build du coup un genre de 3 blocs de haut et qu'il commence à faire une plateforme. Plateforme que l'autre complétera pour faire genre vraiment un rond autour du cube. Et comme ça, qu'importe ce qui se passe, on pourra récupérer les blocs, rentrer et sortir sans problème et ne pas perdre un seul bloc. Ça vous va? J'en profite quand même pour expliquer au chat ce que c'est. Il y a plein de gens qui sont arrivés entre temps, qui sont partis, qui sont venus. On fait du one block, c'est-à-dire que quand on casse ce bloc, le bloc va ça va le donner à quelqu'un, le bloc va spawn pour le récupérer, et un autre bloc prend automatiquement sa place. Mais vous voyez qu'on est tous dans une gravité différente, c'est-à-dire que Miley est au-dessus, et nous, tout autour, on tourne autour de Miley, on est tous dans un sens différent. Le principe, c'est on va essayer de battre l'Ender Dragon. Et si on n'arrive pas, on fera juste une jolie base et on s'amusera. Allez, hop. Bon, ça, on va pas de l'air d'un dragon, mais. Non, mais on va y arriver. En fait, il y a les structures et tout. Ok, vous êtes prêts? Qui casse le bloc en premier? Mon Meli, tu casses. Vas-y, Cry, après toi. Non, Cry casse, ok, Cry, c'est le casseur. Qui a eu le bloc? Il a eu, c'est Cry. Ok, Cry, continue, il faut que t'en aies 3. 1. Ah, c'est bon, qui l'a eu? J'en ai eu un, merde. Essaye d'en avoir 3 au minimum. Dès que vous avez 3 blocs, vous pouvez commencer votre structure. J'en ai eu un. Ok, j'en ai eu un aussi. J'en ai 3. Ok, super. Cry, vas-y, commence à construire 3 blocs de haut en terre. De haut. Voilà. Ok, moi ça me fait une plateforme, donc je peux me décaler là. Cry, t'as le début de ta plateforme, exactement. On peut se déplacer sur ces axes-là. Ouais. Kipoun, il faudrait que tu aies la même. Toi, Meili, pour l'instant, tu peux pas faire grand-chose. Je suis en créatif. Ah, Kipoun est en créatif. Je suis en créatif, merde. J'ai niqué le jeu. Ouah, Fuse. Ok, t'as les blocs. T'as un bloc. Ok, un. Ok. Mais il y en a un. J'en ai eu un aussi. En sens, ça fait un. Ok, ouais, un. Deux. Ok, moi j'en ai 3. Alors je vais pas commencer à... J'en ai 3. Moi j'ai build pas. Ok, super. J'ai build dans les axes, ok. Ok, vous avez... T'as 3 blocs, Meili aussi? Ouais. Là pour récupérer ce qui passe. Ok, Meili fait un poteau de 3 en dessous de toi. Ah ouais? Au-dessus, oui, au-dessus. Oui, ah ouais. Ok, et donc là... Ah non, mais pour Meili c'est pourri ça. T'inquiète pas, c'est normal. On va déjà finir le cube. Oh putain, Cry! Non mais pourquoi Cry a fait ça? Mais Cry, il écoute pas. Je fais le cube. C'est trop tôt. Il faut d'abord finir la structure. On a pas les blocs. J'ai paniqué. On a pas. En fait, okay, je vois ce que tu voulais faire, Cry. Je vois ce que tu voulais faire. J'ai 5 blocs. Vous faites le +3, vous arrivez sur votre plafond en fait. Regarde, descendre dans tous les cas.
C'est ça. Regardez, j'aurais pu récupérer le buff. Non, mais Mélie. Mais il m'a écrit qu'il fallait oui, descendre. Mais finissez déjà le bord de la structure. Mais non, mais j'aurais remis en haut. Okay. J'aurais remis le bloc. Mélie, enfin, si j'aurais tu peux réussir. Oui, mais non, mais reviens, reviens. Je récupère des blocs. En fait, on commence à récupérer des... Mélie. Oh, un coffre. On a un coffre. Ok, celui-là, faut pas le perdre. Ne perdez pas. Faut le récupérer, on le récupère. Ok, on le casse, attention, on récupère ce coffre. Ce coffre est récupéré. Allez, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Mélie, ok, Mélie, remonte en haut si tu peux, avec tes blocs. T'as pas besoin de récupérer des blocs pour l'instant de là où tu es. Attendez, attendez, la question, c'est que là on a déjà pas mal de blocs et tout. La question c'est, donc c'est Cry qui va faire le minage, on est d'accord? Oui. Donc ce qu'on fait c'est ça, on fait comme ça. Faites déjà le cube si possible. Non mais on fait un cube, faut faire un cube dans le sens de Cry, ok? Cry, tu vois toujours ton bloc? Mais non mais... Il faut faire les arêtes du cube, Saito. Non mais... Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Mais c'est que le casse les arêtes là. Mais non mais Cry, pardon, là c'est toi qui va miner le bloc, on est d'accord? Ouais. Donc là, par exemple, là, à quoi ça sert le truc que t'as fait au-dessus de toi? Oui, mais non, mais on fait les arêtes du cube pour que ça soit complet. Dans ah, l'idée, c'est que tu vois, si moi je tombe dans le cube parce que j'ai besoin d'aller chercher des blocs pour faire un truc qui est de mon côté, il faut que j'ai quand même un truc pour me rattraper. Ok, ah oui, oui, parce que, ah, mais t'as fait cette arête-là en premier. Ah, ok, d'accord. Voilà, en fait, le bloc central, considère-le comme le noyau de la planète. Okay, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment qu'on fasse un cube autour. Ah, Mélie. Oui, t'inquiète pas. Mélie. Ouais, parce que du coup, moi je peux pas accéder. En fait, je peux pas accéder au cube. Le cube central, il est là. Moi, je reste sur le cube central, je mine. Vas-y, vas-y. Allez-y, tous les deux, Kit Moon et Cry. Récupérez le plus de terre et faites vraiment genre une planète. Il faut que ça soit un cube, comme si c'était une tête. Vas-y Cry, en fait quand tu mines Cry, c'est moi qui récupère. Ouais, alors ok bah je mine. Quasiment à chaque fois. J'aurais bien miné aussi moi. Saito qui regarde. Sakuto, oh, Sakuto, merci Sakuto. Donc sachez, alors attendez, parce que du coup on a fait ça, il faut que là ça parte dans 3. Oh, je récupère des blocs. Donc au-dessus en 3. Si vous avez des blocs de terre, je suis preneur. Mais quelqu'un a le coffre? C'est Mélie qui a le coffre. Vas-y Mélie, est-ce que tu peux le... Alors ne le balance pas, pose-le. Si possible, ici là, juste en bas là, tu le vois? Je vais faire des plans. Écoutez, non, moi je fais des plans sur juste le côté. En fait, non, mais le problème c'est que aussi, comme la gravité c'est. Oh merci, parfait. Oh merde, putain, je regardais pas, désolé. Merci LDT. Merci. Ouais, pour l'instant, Saito, tu peux pas faire grand chose malheureusement. Non, mais en fait, le truc c'est quoi? Je mets ma terre, vous pouvez continuer à faire les. En fait, le truc c'est que. En fait, le truc c'est que. Il faudrait que la plupart des blocs ils soient du côté en dessous des pieds de Mélie. En fait, la première. Parce que comme la gravité est dans le sens de Mélie. Sous les pieds de Mélie, c'est dans ce sens-là que les blocs tombent. Donc il faut que la première plateforme elle soit celle du côté de Mélie en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis en train de faire tous les blocs que j'avais dans le coffre donc. C'était pas le bon sens. Moi je tombe quand je suis du côté de Mélie, moi je tombe par ouais, là. Ouais, t'es du sud, t'es dans mon opposé normalement. C'est là que je dois être, ok. Ok. Donc là on a un début d'arête. Encore une fois, on essaye de faire une planète. Il faut qu'il y ait un espace de 2 minimum pour chacun. Pour accéder au cube au milieu. Et le cube c'est lequel? C'est celui-là, ok. C'est celui qui a la prédit, ok. On est d'accord que du coup... Saito, il va falloir que tu puisses faire les arêtes de ton côté aussi. Ouais, mais moi j'ai pas de bloc. Il y a un coffre juste là. Ah oui, à l'endroit où Cry, je t'ai mis des items, des outils dans le coffre. Do your best, loulou. Ok, donc je fais mon sol, on est d'accord. Ouais, il faut que tu fasses des arêtes, pareil. Donc tu te mets sur un coin, tu fais 3. Et en fait, l'idée vraiment, j'insiste, une planète avec le cube au milieu qui est le noyau. Oui, donc il faut essayer de faire un truc assez propre. Comme ça, on pourra miner sans problème et tout le monde pourra le faire vu que les objets tomberont dans la planète. Je vais faire ça, ok. C'est dur à comprendre, bienvenue. Non, franchement ça va. Ça. Ah putain, merde, on commence à plus avoir de terre, on a du bois. Ouais, mais au pire des cas, faudra faire des planches et tout. Ouais. Bah, si on peut commencer par juste de la terre, ça peut être sympathique histoire de pas perdre du bois inutilement. Ok, là on est bon. Moi mon sol il est presque fait. Bonjour Mélie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Vas-y, vais bien. Alors où est le coffre? Il est juste moi, là en dessous, Mélie. Ok, moi je suis à peu près bon là. Je pense qu'on a peut-être dû faire plus grand que trop envers. Je le vois. En vrai, tant qu'on peut loger, c'est sympa. Ah, c'est bon, il y a de la terre qui revient là. Je crois que je le vois plus moi, j'ai plus accès. Viens de ce côté ici. Bon. Ah, tiens, juste là, Mélie, regarde. Je te casse ce bloc, comme ça t'as accès au coffre. Ah oui, c'est bon, j'ai. Oh, c'est. Ok, c'est hardcore. T'arrives à le faire de ton côté, Saito? Ah, moi j'ai quasiment fini, hein. Regarde. Mais t'es pas sur ta face? Ta face, elle est en dessous, toi. Non, ma face, c'est ça. Mais non, regarde, Sario. Mais si t'es au même niveau que moi, c'est pas normal.
Mais moi, mais c'est plus facile de faire sous ses pieds, tu te rends compte quand même. Oui, mais Loulou, c'est bien ce que je dis. Mais il y a toi, si tu sautes, tu peux aller sur la face sud. Moi, je peux pas. En vrai, franchement, je comprends pas ce que tu veux dire. Ok, Saito, ouais. Est-ce que tu vois là où est le cube? Oui, il est là, il est ici. Là. Bonjour, Meili. Oui, du coup, si tu regardes bien, si tu regardes bien où est le cube, si tu regardes à gauche, désolé, ça va vers 3 blocs sur la gauche. Si tu regardes à droite, ça va sur 3 blocs à droite. Si tu regardes en haut, ça va vers 3 blocs en haut, mais regarde en bas. Ouais, un, deux, deux, ça, ouais, trois blocs en bas aussi. Mais non, il y a un seul bloc en bas, Loulou. Bah non, un, mais deux, c'est le trois, et un, deux, ouais, enfin, on est deux de haut, quoi. Et le troisième mais bloc, non, c'est mais le seul. Loulou, c'est ton bloc, il est... Attends, attends, bouge pas, bouge pas, je vais tenter un truc, Et merde. Je ne comprends pas. En fait, il n'y a pas la face du bas, c'est toi le sud, c'est à toi de le faire. Mais, c'est, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que moi, ma, pour moi, la face qu'on a, c'est la face sur laquelle on a nos pieds. Moi, je, moi ma face, j'ai fait tout le mais sol oui, là. Mais tu es tombé, tu n'es pas sur la bonne face. Mais si, non, j'ai réactivé, sérieux. Je l'ai dans mon inventaire le truc, j'ai changé la gravité. Tu te rends bien compte que toi t'es dans un sens et moi j'étais dans l'autre. Mais oui, mais justement, t'es pas au bon niveau, t'es pas au bon Y. On arrive à la pierre. Je te jure que je comprends. Ah, je comprends. Si, je comprends ce qu'il veut dire. Saito, en gros. Ouais. Ok, là tu vois t'es sur la face, mais en fait normalement tu devrais être à l'opposé. Regarde Saito où je suis. Il faut que tu sois à mon opposé. En fait il y a pas de, la sphère est pas composée sur l'opposé. Je ne sais pas où t'es toi Saito. Regarde au dessus, regarde au dessus. Non regarde Saito. Oui mais toi c'est ce que je dis Saito, tu devrais faire le truc d'en haut là. Mais non, c'est ma faute. Ah en fait tu veux dire, ce que tu essaies de dire c'est que j'ai fait ta face et que t'aurais préféré qu'on fasse l'inverse. Mais non, mais c'est que je n'ai pas accès non, à ta face, Loulou. Je ne comprends rien du tout, c'est grave. En fait, Saito, tu vois, quand tu spawns sur le bloc... Oui. Bah, ce qu'il y a au-dessus de ta tête, c'est ce que tu dois faire. Mais c'est... Non, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'ai fait... Non, attends. J'ai dit, j'ai juste dit, moi j'ai fait mes pieds, du coup j'ai fait le haut de Saréo, on est d'accord. C'est juste ça. T'as fait la face de Saréo parce que t'as fait tes pieds, fallait te faire. Oui, ok, mais du coup, ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est ah bah moi j'ai juste fait mes pieds et Saréo dit non, pas du tout, rien à voir. Mais parce qu'en fait, tes pieds sont pas au bon étage, c'est ce que j'essaye de te dire. Non, non, mais ok, non, mais en fait, vous dites la même chose, mais c'est juste, ça. En gros, dans l'idée, tu vois là où tu es, il faudrait que tu sois plus haut. Genre, c'est bien, t'es sur la bonne face de gravité, mais il faut que tu fasses les trois blocs de haut de ton côté. En fait, je comprends, mais je pense vraiment qu'on aurait pu juste faire chacun sa face. Et c'était pas... Enfin, on aurait pu faire un cube, comme ça, c'était le plan base, c'était ça le truc. Oui, mais en fait. Attends, si Saréo. Ce que je veux dire, c'est que. En fait, que je fasse mes pieds ou que Saréo fasse ses pieds. Enfin, que je fasse ma tête et Saréo sa tête, ou mes pieds et Saréo ses pieds, c'est la même chose. Mais le problème, c'est que je peux pas faire ton truc, Loulou. Pourquoi? Moi, je l'ai fait. Mais parce qu'il y a déjà un sol de mon côté. Regarde, attends. Mais non, mais Saréo, si tu fais toi, si tu fais le haut, toi. Attends. Mais comment j'ai pu. Comment moi j'ai pu réussir à faire mon pieds? Non, je comprends où est le problème. Je suis tombé de l'autre côté. Saito? Oui. Regarde où je suis. C'est que depuis le début, j'étais de l'autre côté, j'avais pas vu que t'avais commencé un sol ici en fait. Ok, d'accord. C'est toi qui viens de le faire. Putain, merci Kid Moon, je t'aime, Loulou. Putain, vraiment, c'était. T'as pas compris du tout non plus, du coup. Non, mais la galère est vraiment monstrueuse. Donc là, tu veux que je fasse ça là. Voilà, c'est ça. En gros, on ferme le cube. Le bloc du milieu est libre, on pourra creuser comme on veut. Je te jure que c'est ce que j'essayais de faire, et comme tu disais, faut pas faire ça, je comprenais pas. Vraiment, j'ai perdu, frère. C'est vraiment. C'était incompréhensible. On s'est perdu, frère. Mal au crâne. Ah ouais, ça, vraiment, c'était si compliqué. Moi, j'étais juste. Tu me dis, les arrêtes, franchement, je faisais toutes les arrêtes de tous les côtés. J'étais en mode, tout se passait bien. Ah ouais, mais c'est bon, le cube apparaît là. On commence à voir le cube apparaître. Ouais. Ok. Ouah, c'était compliqué. Hein. Le cerveau, il est mort. Ok, donc ça, c'était bon. Ça, c'est moi, tout ce que je retiens, c'est que vous m'enfermez en haut. Je aussi plus. Mais tu peux. Mais t'inquiète pas, Meili, tu vas pouvoir creuser un trou après pour accéder au centre. Mais du coup, tu tomberas pas sur n'importe quelle face, tu vois. Si moi je tombe, bah je tomberai pas. Si Cry tombe, il tombera pas. Non, mais après, on pourra jamais remonter. Si, il y aura des échelles, tu peux faire des trucs comme ça pour grimper. Tu peux juste faire. Oui, tu peux rien. Et là, d'ailleurs, on peut commencer à casser ces trucs-là. Ça, on s'en fout. Ouais. L'idée, c'est qu'on a une planète pour se poser. Vas-y, descends. Hein. Là, ça va être fermé. Là. C'est bon. Hop. Ah. Ah, il nous faudrait la lumière, peut-être. Une source de lumière, quand même. C'est vrai que la lumière, c'est bien. C'est moi. Regardez, on a notre planète. Merci beaucoup, Sheldo. C'est bien. Merci beaucoup, Sheldo, pour le sub. On a notre petite planète. On a une planète. Donc on peut mettre tous les blocs là-dedans. Ok. Tout ça, on met là-dedans. Ça fait bizarre de tous nous voir dans une direction. T'as les pioches, oui. Cry ? Ouais, c'est bon, t'as fait tout. Ok. Ouais, ouais j'ai un peu. Meili, regarde Meili, coucou ! Je place tous les objets que j'ai dans le coffre Meili, d'ailleurs. Meili. Coucou. Ok, ça commence à ressembler. Mais mes objets dans le coffre. Mais du coup, Cry.
Ah, il y a des échelles. Ronzo. Ah oui, c'est vrai, Craig, il a pas encore parlé de Ronzo dans le live. Oui, est-ce bah... que je vous ai parlé de Ronzo? Ronzo. Okay. Je vais s'il y a des joueurs de Hanzo dans le chat, sachez que vous êtes des mauvaises personnes. Ça se trouve, Sareo, il joue ça. Non, je joue Teemo. Dans Overwatch. Ah, ah j'ai entendu Yasuo, pardon. Bon, c'est du pareil au même. Ok, donc ça, non, c'est bon. Merci Sheldon. Oh merde. Oh, Sheldon offre 5 abonnements. Oh, merci beaucoup, Sheldon. Merci, Sheldon. Merci énormément, Sheldon. Hop. Du coup, c'est... Wow, les échelles qui montent, c'est bien ça. Merci beaucoup, Sheldon. Ça marche bien. Du coup, même si elles sont à l'envers, c'est, ouais, grave. C'est pas grave, ça marche on quand même. Les dans l'idée, okay, vu que je suis sur cet axe-là, sur l'axe. Je suis sur quel axe? Je suis perdu, moi. Toi, t'es au. Je peux commencer une t'es au nord, t'es au nord, ça. Ah, oula, oula, okay. C'est dangereux ce que t'es en train de me faire. Ouais, t'inquiète. Ouah, pour moi, c'est un trou dans le vide. Attends, vas-y. Oui, en fait, faut décider où on met les portes. Faut décider où on met les portes. Faut que tu mettes des trappes là. Ouais, ouais, ouais. Je vais mourir là. Ok, craqué. Moi je pense que je vais faire une porte ici, parce moi. Que c'est juste à côté de l'endroit où je mine. Hein, je m'en occupe. Ah ouais. Je mets des trappes. Moi, ah mais attends, mais oui, mais c'est un bon plan ça. Attends, si je fais comme ça et comme ça. Ah non, oui, je suis baisé. Tu fais quoi, Saito? Mais je fais une porte pour pouvoir changer de direction plus attends, tard. Attends, quitte-moi, j'essaie ouais, de. Toi là, ça te fait un trou. Mais du coup, et toi, il faudra que tu fasses une porte aussi de ton côté. Mais t'inquiète, je vais juste. Et là, si je fais ça. Mais je vais te faire un blocage pour que. Hop là. Ça pose pas de problème. Regarde, Cry. Comme ça, t'auras moins de risque de tomber et on peut passer. Rien. Et là, je fais ça. Nickel. Ça. T'as juste à taper sur la trappe, et là, hop, ça, et ça te descend. Ça. Et comme ça, Mélie, tu peux pas tomber. Et là-dedans, je mets une autre trappe, comme ça, tu tombes pas. Ok. Ok. Juste pas que j'approche, quoi. Donc là, comme ça, tu peux pas tomber. Hop. Ouais, on va dire. Là, je te mets des échelles. Est-ce qu'il y a des échelles ou pas? Oui, il y a des échelles. Et là, je te mets des échelles comme ça. Ça permet de faire une petite plateforme en dessous, histoire d'être sûr que ça finisse. Ouais, pas ça, pourrait être cool. Je vais essayer de faire ça. Et là, Mélie, comme ça, si tu tombes, donc moi, c'est ma porte pour changer de direction. Mais toi, si tu tombes, bah du coup, tu tombes là et tu. Ah, je peux pas rentrer. Pourquoi je peux pas rentrer? Est-ce qu'on a plus de blocs de terre, les loulous, s'il vous plaît? Les blocs de terre, malheureusement, il y en a plus trop là maintenant. Il y en a plus là. Merde. Moi, il me reste deux blocs de terre. Du bois. Il y en a un là. Par contre, le truc c'est qu'en fait, moi je peux pas. Attends, peut-être que je casse cette échelle en vrai. Oh merde! Ah, oui, oh ouais, bon. Oh! Westblock niveau 4. Ah, on va commencer à obtenir des plantes. Ok. Alors, est-ce que j'ai vraiment. C'est toi qui mine, Cry? Ouais. On prend l'ordre des trucs pourris. Oh, Sheldon qui offre encore un abonnement. Merci beaucoup, Sheldon. Merci. Merci beaucoup. Zenitsu fan de Zora Wisui. C'est très précis comme pseudo. C'est un gros pseudo quand même. Franchement, bravo à toi. Il est fan de Wisui. Ah, est-ce que quelqu'un a récupéré ma trappe par hasard? Ok. Oui, c'est moi. Je mets tout dans le coffre. Vas-y, super. Oh, ce coffre, par contre, quelle bénédiction. Ouais, il reste un peu de la terre. Il y a de la terre. Ah, merci. Je vais commencer à creuser un petit peu plus sur ce côté-là. Il faudra qu'on garde un peu de terre. Prenez plutôt de la pierre, de l'andésite et des trucs comme ça, parce qu'en fait, la terre, on va avoir besoin pour farmer aussi. Pour du farming. Regarde, Cry. Regarde. Okay. C'est bon, tu peux passer sans problème. Ça. Enfin, attention. Ok. Moi, je me fais ma petite base. Il y a quand même un trou, quoi. Mais oui. Je suis en train de finir ce côté-là pour que tu puisses descendre sans problème. Okay, je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas ce que vous avez fait, mais avec Meili, on a un truc aussi pour. Ouais. Genre tu vois comme ça là, je sais pas si tu vois. Ah mais Kitmoon tu voles? Ah non, Kitmoon t'es tombé de mon côté, ok. Ouais, je suis, ah t'es là. Je suis passé par le toit. Il est tombé. Ah oui, tu passes par le toit. Il est tombé. Ah oh, salut okay. Salut Saito. C'est coucou Sario. Bah tu vois, je sais pas si tu vois là. Vous avez fait comment vous? Ouais. Toi t'as fait avec une trappe, ok. Moi j'ai fait des trucs avec des échelles, comme ça Mélis est tombé pour monter avec les échelles. Ouais, moi j'ai mis deux trappes parce que bah comme Cry c'est celui qui mine et que bah ça. Mais en fait moi le truc, je sais pas si tu vois, parce que tu vois, est-ce que tu peux pas faire un mur dans ton dos là? Ouais, parce que, ouais, en fait, le problème c'est que j'ai plus assez de blocs de terre. Ah oui, parce qu'en fait, tu vois, moi j'ai fait pareil parce que si jamais Cry loue la trappe sans faire exprès et qu'il tombe, après tu vois, il est. Ouais. Ok. Je vais récupérer un peu de bûches d'acacia. Et du coup, okay, attends, Saito, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant là? Bah là, il faut qu'on avance dans les blocs. On a deux objectifs. Il faut savoir qu'un truc quand même, c'est que les structures existent aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que c'est pas impossible d'aller dans l'end, etc. C'est parce qu'en fait, on peut faire un portail de laser si on veut. Et okay. Dans le nether, il y aura des forteresses comme ça, etc. Et pareil, ici, il y a dans cet univers, il y a aussi des strongholds, etc. Donc, okay, on peut aller, on peut continuer de miner. Là, on se fait une base au début, on se fait des jolis trucs et tout, etc. Et dès qu'on commence à avoir des objets pour aller dans le nether, typiquement de l'opsy, etc. Bah, on va pouvoir faire un portail sur le nether. Okay. Et dans le nether, il y aura aussi un bloc qu'on pourra miner. D'accord. Pour pas aller devant plus vite. Voilà.
Mélie, pour moi, elle est sur le sol allongée. Mais ça, c'est drôle. Mais Cry, il est en mode mine, il parle plus, il mine. Dis que pour moi, Cry. Je mine en lisant le chat. Dis que pour moi, Cry, il est vraiment allongé, pareil, et mine allongée. Genre, il va. Et moi, pour moi, il dit ouais, il mine sur le dos. Je chill. Il est vraiment en pur minage chilling, Cry. Si tu veux qu'on switch à Cry, t'hésites pas à le dire. Si t'as envie de, je sais pas, construire ou. Mais en vrai, c'est pas forcément plus mal parce que ça me file un brin de synesthose là quand je bouge, tu vois. Oh merde! Oh putain! Oh. Oh merde! Le sang, c'est un peu perturbant. Du coup, je suis bien miné là. Ouais, faut réussir si à jamais... se. Au début, j'avais un peu de mal, mais là, ça va. Si jamais il y a un sol sur la partie que j'ai créée maintenant, donc tu pourras sortir sans problème. Mais du coup, moi, j'aimerais bien réussir à faire un truc pour aller rejoindre Sario. Attendez. Est-ce qu'on peut pas. On a une table de craft. On a une... Moi j'ai commencé à me faire. Oui, on a une table de craft. Moi, on a tout ce qu'il faut. Hein. Ça déjà. Il y a un deuxième coffre. Et. Oui, donc oui, donc oui. Ah, il y a un peu de terre là. Un peu de terre, j'essaie d'aller rejoindre Sarah au moins. Alors moi je vais faire un truc. Ah putain, on a pas d'eau. Non, on a pas d'eau. Ça, ça on a pas de, pas de lave. On a rien du tout. Ah, c'est possible pour les gens. Sachez que je pense que la map est bien faite. C'est possible que l'eau apparaisse après qu'on ait dû faire et que du coup on puisse récupérer avec des seaux. Ah ouais, c'est possible. Tout à l'heure, il y en avait. Non, là-bas, mais voilà. D'ailleurs, les. Comment ça s'appelle? Putain, comment ça s'appelle ces trucs? Les marmites, elles se remplissent quand il pleut, non? Oui, on peut aussi. Ah oui, on peut aussi faire ça, ouais, complètement. Bah, dans tous les cas, il faudra du faire, quoi. Donc. Après, c'est juste qu'il y a un monde dans lequel. Oh non, je on verra comment ça avance. Hop. Oui. Il y a un monde dans lequel à 23h on y est encore, mais. Non, à 20h, ça coupe parce que ça doit être truc à faire. Non, mais si à 20h vraiment on n'a pas avancé, il y a un monde dans lequel on peut continuer une deuxième fois, c'est pas. Mais. Maylie ? Merde. Ok. Oui. Maylie, tu es où ? Je vais avoir dans une mission pour toi vu que t'es dans le bon sens. Ouais. Ok, alors attends, tu viens, hop, je vais te donner un truc, ça s'appelle une houe. Et aussi ouais. Des graines de pastèque. Oh, t'as eu les graines ? Oh yes, ah oui, on a eu les graines de pastèque. J'en ai fait quelques-unes. Maylie, juste ici, regarde. Ah, bah quelqu'un a récupéré la houe du coup, c'est en face de moi. Là où je vis. Il nous faut de l'eau pour ça. Oui, mais elle peut déjà planter les graines, tu vois. Et vu que c'est elle qui a la face nord. Mais Ellie, on est d'accord. Ah, bah j'ai eu des graines moi aussi. Là, on est d'accord en face, que là, ça peut quand même pousser, même quand. Ah, c'est Saito qui a tout pris du coup. Ah, bah elles sont tombées sur moi. Ah, oui, je les ai. Bah, si tu veux, Ellie, au pire. Non, mine ton sol et je les plante dans ton sol. Tu vas pouvoir le faire ? Ouais. Bah, je suis à côté. Loulou, c'est à l'envers. Non, mais Ellie, moi je la vois là. Regarde si elle fait ça. Ah, bah oui, sur l'axe où tu es, tu peux. Elle est mine et moi. Parce que je clique dessus en fait. En vrai, ouais, c'est que dans l'idée, je pensais qu'elle le mettrait, tu sais, au-dessus sur sa face là-haut, là, tu vois. Ah, sur sa face ici, en là. Haut. Mais non, je pense pas. Je pense qu'elle peut poser ça. Les blocs, on peut les attaquer que dans le bon sens. C'est-à-dire que Mélie, on peut les planter que sur les pieds de Mélie, je pense. Bah oui, oui justement. c'est justement ce que je disais, sur sa face haute. Parce que Mélie, elle est là. Regarde quand ah, elle tu grimpe. Veux dire au-dessus du cube. Voilà, ah, oui, elle a accès au cube de terre qui est au-dessus. Okay, du coup, quand on pourra mettre de l'eau, on pourra mettre de l'eau, c'est dans un bac au-dessus. Non, ouais, t'as raison. C'est bien. T'as rien de Mélie, si tu peux grimper avec l'échelle ici. Je vais faire ça, je pense. Oh putain, ça me fait trop bizarre, ça me fait très peur. Waouh. Moi j'aime bien, en vrai j'aime bien, je trouve ça un peu rigolo. T'as la houe, Maylie, ou pas? Quelqu'un te l'a rendu? Non. Ok. Ah oh, merde. Donc, qui a gardé la houe? Ah, c'est moi qui l'ai la houe. Attendez. Tiens, Maylie, tu peux l'attraper. Attends. Cry. Je te la lance. Cry, j'ai des outils, je mine. Non, la houe est tombée. C'était sûr. Putain, mais la houe est tombée. Mais non, mais Saito, c'était évident. En vrai, c'était un peu évident. Mais moi, je... Attends, tiens. Qui casse ça? C'est Saito. Parce que je venais aider Maylie, moi aussi. Tiens, Maylie, c'est pour toi. Merci. Ok, vas-y, Maylie, vas-y, mine les blocs de terre qui sont à côté de moi, comme ça je peux les planter. Oh, oh. Mais vous avez vu que je suis tombé? Je suis tombé parce que le bloc a été réduit de taille. C'est juste, le bruitage était magnifique. Je veux en stormboard celui-là. Celui-là aussi, Maylie, celui-là aussi. Alors attention, les pastèques, faut qu'elles soient un petit peu écartées, il me semble. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, faut laisser un bloc d'écart. Arrêtez! C'était terrible de m'appeler aussi. Mais regardez où je suis! C'est terrifiant! Mais regardez, c'est terrifiant, c'est terrifiant où je suis! Saito, tu crois en moi ou pas? Attendez! Ah ouais, je peux. Attendez! Je casse le bloc! Non, c'est bon! Non, mais c'est bon, Saito, regarde dessus! Okay, voilà! Ok, je fais le retour! Ok, je reviens! Oh merde! Ah putain, mais j'ai pas de. Ok, mais je suis de retour, je suis de retour. Il m'a pas rendu mon bloc en plus! Attends, je suis là, ok, je suis de retour. T'es là? Je reviens. Ouais, je suis là. Amélie revient, ok. Je suis coincé, hein. Juste au cas où, Saito, tant que tu remets pas de bloc. Ouah, j'allais tout sauter sur le bloc, vous êtes en train de casser, hein, ça m'a terrifié. Saito?
Attends, mais je fais ça sinon. Waouh! Waouh! Cry, t'as vu ça? Je me suis pris pour un joueur pro, putain! Je vois rien du tout, moi! Je vois rien, moi! Moi, je vois ta tête là, qui dépasse, c'est tout! Coucou! Oh, oh non, oh, non, j'ai niqué les prédictions, c'est ça? Oh non, fuck, j'ai niqué les prédictions! Oh, j'ai niqué les prédictions, fuck! J'ai un petit souci de l'ordre de. Les blocs sont au plafond, je ne peux pas les récupérer! Ok, ils sont là, je vais les récupérer. Vas-y, c'est ça. Du coup, c'est Saido qui doit les récupérer. Putain, quand mais les... Oh, j'ai niqué les prédictions du chat. J'ai... Mais pourquoi vous avez fait des. Vous avez voté pour moi? Les enfants, on a une pousse. On a une pousse. On a une. Attends, c'est pas une pousse ça? Non, elle est dans le truc. Allez, pousse. Mais ça, c'est Meili qui doit le faire. Mais en fait, est-ce. C'est Meili qui doit le faire. Par contre, attendez, ne bougez plus parce que Meili est pas là, malheureusement. En fait, le truc, c'est que tout le jardinage et tout, c'est Meili qui doit s'en occuper. J'en avais marre de rien y voir. Meili? Cette pousse, tu dois la protéger au périple de ta vie. Je te la jette dans quelques secondes, d'accord? Au périple dans le de ta vie, t'as dit? Il a dit au péril, il a dit au péril. Il a dit au péril. Au péril. Regarde au-dessus de toi, Mei. Ouais. Plante ça dès que tu peux. 3, 2, 1. Non, non, mais. Alors, non, je le sens si mal. Ok, si, c'est bon. Ok, je te laisse le planter dans la terre. Mais attends, mais non, mais c'est pour ça, il nous en faut 4. Ça bouge pas tout seul. N'importe non, où. Non, les pousses de chêne noire. Ouais, c'est les pousses de chêne noire en fait. Oh merde. Oui, n'importe où dans la terre où il y a 4 blocs. Par exemple ici, Meili. Regarde, là où je tape là. Non, tu peux faire des mini chênes noires. Il me semble la pousse de chêne noire, tu peux le faire aussi en solo. Hein. Ouais, vas-y, là c'est parfait, Meili. Je crois. Moi, c'est là, il me semblait que c'était par 4. Je crois que c'était comme les trucs de. Mais c'est pas ceux de jungle ou. Ouais, pour moi, jungle et celle-là, ça bouge par 4. Mais peut-être je me. Oh, Kitmoon, tu peux plus monter. Jungle, c'est sûr. Bah non, il manque les. Attends, j'ai l'échelle, bouge pas. Attends, bouge. Ah bah voilà. Ah mais c'est parce que je suis pas dans la bonne direction. Ok. Je trouvais ça trop facile aussi. Mais du coup, Meili. Meili responsable de nature. Hein. Donc Meili, toi, comme tu es dans le sens normal du jeu, on ne peut pousser, faire planter les trucs que dans ton sens. Donc le plafond, c'est toi qui le gères et tu es la jardinière, ok? Ok. On a besoin que tu fasses pousser des trucs. Donc tu fais pousser les arbres. Je vais pousser les trucs, moi. Tu sais pas faire pousser les trucs. Ok. Parce qu'il y a que toi qui peux le faire. Faut que t'en aies conscience de ça quand même. Bah tu vas apprendre. Je me rappelle que je faisais un peu ça pour Kélian, mais j'ai plus trop de souvenirs. Comment on peut aider Meili? Faut qu'à tout. Les gens dans le chat, ils ont l'air de dire que c'est que par 4 le chêne noir aussi. Hein. Ah putain, fais chier. Aïe, on a pas eu de bol, la mauvaise pousse. Regardez, on a une. Mais il y en a une qui a arrosé, comment c'est possible? Comment ça on a bah là on a un truc de. Là, il y a une des pousses de pastèque qui a arrosé. Oui. Eh bah écoute, c'est bon point, c'est bon. Mais du point, coup il faut utiliser la houe à côté pour les. Parce que sinon il pourra pas pousser. Il faut un truc à côté vide. Ah. Faut juste un truc à côté. Moon, il se balade, il est là, pom. Attends, Cry. Ah merde, on a pas eu encore fer. Bah on a un de fer. Est-ce que Meili t'as la main verte, on te demande. Pas du tout. On a un de fer et je. Vous savez que je déteste les plantes. Tu détestes et je suis même pas sûr qu'on a de quoi faire un four. Oui, bah, non, mais elle est crabe les plantes. Ouais, je vais commencer à garder de la cobble de côté. Okay, bon, attendez, non, mais moi je vais partir en. Ah, je viens de la prendre, je te la mets dans le coffre. Ok, vas-y. Bah, je te laisse, bah, tu peux la garder, c'est juste l'histoire qu'on puisse se faire un four vite. Je vais en mission aide de jardinage, moi, d'accord. Vas-y. Okay. Est-ce que vous savez, le chat, que Meili brûle des plantes? C'est pas vrai. Quand elle fait chauffer des gnocchis, elle brûle des plantes. Attention, tout le monde. Mensonge. Ceci est une descente de police. Venez tous dans le centre, s'il vous plaît. Pourquoi? Je suis déjà. On a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Cry ne sera plus dans le noir. Wouhou. Il y avait déjà une luminite au-dessus. Ok, niquez vos mères. C'est nul, hein, franchement. Mais l'attention, ça court. Non, mais il m'a poussé. Comment ça, je t'ai poussé. T'as qu'à t'accroupir aussi. Ah, mais mais en fait, ça marche pas parce que j'étais accroupi, mais j'ai fait le truc sous mes pieds. Ah, mais j'en ai marre de choper du diamant alors qu'on a pas de fer. Mais non, mais j'ai fait. Regarde, mais je suis en train de t'aider. Je me suis dit. Bon, j'en ai marre, c'est pas drôle. Non, mais putain, c'est pas drôle. Deuxième de fer. Ah, putain. J'étais en train. Mais en fait, je me dis, oui, vas-y, je suis en mission, j'aide Meili et tout. Qu'est-ce qui se passe? Meili me pousse dans le vide. Mais non, mais j'ai pas fait exprès, je remontais tout simplement, je savais pas où t'étais moi. Moi j'ai entendu que c'était volontaire, mais après je sais pas. Ça y est. Non, mais je fais que mourir et du coup le chat est riche. T'arrives à choper la cobble pour faire le foie. L'argument du coup. T'as une cobble?
J'ai de la pierre mousse. J'en ai une de cobalt, j'ai une de cobalt. La pierre mousse, c'est pas dans Pokémon ? La pierre mousse. La pierre mousse. La pierre mousse, c'est un peu la pierre de. Ah, merci. De la bière, on va pouvoir faire un four. On va avoir un four, let's go. Ok, je change tout. Et il manque un de fer et on aura une pioche en fer. Ça me tue comment Cry, il est à fond. Bah oui, moi j'ai accompli ma mission, tu vois. Je suis là. Ok. Oh, mais il a retenté de me pousser. Ok. Naïvi, ta mission c'est de planter des trucs, hein. Mais non, mais je sais pas, c'est tout, il fait des trucs bizarres. Pourquoi il a mis de la pierre? Mais parce que je viens t'aider. Non, mais c'est fou, vous vous rendez compte de ce que je fais? Attendez, est-ce que les gens peuvent. J'ai dit à Naïvi, ta mission c'est de faire de la plantation. Elle m'a dit, je ne sais pas comment faire. Je dis, ah bah c'est pas grave, je viens t'aider. Je viens l'aider. Je fais du sol pour venir l'aider. Je fabrique les trucs, je ramène les plantations. Elle me pousse trois fois dans le vide. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu ne m'écoutes pas. Ouais. Je suis venu t'aider. De un, c'était deux fois. De deux, ça m'intéresse pas. Ça coûte vrai 10 hommes. Désolé, mais ça m'intéresse pas. Ça coûte les 10 hommes. Merci, ça coûte pour les sommes. Ça n'intéresse pas Maïli, mais nous, on t'y reconnaissons. Merci beaucoup, ça coûte. Oui, Maïli, discrédite les sommes, mais nous. Non, mais tu m'expliques pas. On dirait pas qu'il va faire la cuisine là. C'est quoi ça? Mais j'ai dit, je viens t'aider. Regarde, j'ai fabriqué une houe. Regarde, donc en fait, les. Ça. Mais j'ai déjà une houe. Il y a deux secondes, tu m'as dit, ma houe est tombée dans le vide, j'en ai plus. Mais je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je n'ai plus de houe. Ah merde, je l'ai laissée dans le coffre. Et c'est pour ça que je suis descendue, je suis allée la chercher, je suis remontée et je t'ai poussée. Sans pas être crevé. Il est où le fou? C'est vraiment le stream, personne ne se comprend. J'ai vraiment envie de sauter dans le vide. J'ai qu'une envie de sauter dans le vide. Ok, bon, ok, est-ce concentration. Que de la cobble, que j'ai une de pierre. Il pleut. J'ai un de pierre, Cry. Est-ce que c'est ce que tu veux? Regarde, attends, il y a une merde là. J'en ai deux. Il m'en faut trois pour refaire une pioche, donc bah je vais faire une pioche en bois. Un instant, tout le monde. Voilà. Temps mort. Bing bang. Est-ce que quelqu'un a une pierre? Non. Vérifiez dans vos inventaires. J'ai rien. Moi, tout ce que j'ai dans l'inventaire, je le mets dans le coffre. Un de cobble. Cobble. Okay. Bon, attends, je te les donne déjà, Cry. Hop, c'est de là, comme ça. Donc, il faut qu'on te fasse. Attends, mais là, il y en a une pierre. Un bouge pas, je me fais un truc en bois et je vais te faire un champ. Est-ce que ça te va si on fait le champ vers le haut, vers par là? Ok. Là où je saute. Je voulais éviter d'avoir à recrafter une pioche. Mais non, mais quand il pleut, c'est nul. Quoi? Et on est reparti. Quand il pleut, c'est nul. Pourquoi? Il faut que ça arrose. Mais ça arrose quand ça pleut. Oui, mais pas si on le fait dans ce sens-là. Attends, merci beaucoup. Attends, l'ami a terminé. Attends, il faut que je dise merci. Quel problème? Y'a pas un truc bizarre? Oh merde, y'a plus de bloc. Comment ça, on a perdu le bloc? Quoi? Comment ça? Ah, c'est bon, il est revenu. Attendez, j'ai dû dire merci à des gens. Ok. Merci beaucoup à Sheldo pour les 5 abonnements. Merci énormément. Merci, Sheldo. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Yukiko aussi qui est là. Merci Yukiko, je l'ai pas fait gaffe, et qui a dépassé les 100 abonnements offerts sur la chaîne. Merci infiniment Yukiko. Nouvelle pouce, j'arrive, allez où? Merci beaucoup. Dans le coffre. Merci beaucoup à vous deux. Remercie encore à Sakuto. Oh, merci énormément. C'est une pousse de boulot. On a une pousse de boulot. Vous avez pas idée à quel point c'est adorable. Ça nous aide beaucoup. Oui, merci à toutes celles et ceux. Ok, Maïli, regarde, c'est ça que je te disais. Ici, là. Est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse ça comme ça? Là, regarde, je te fais un sol ici, là. J'ai compris. Et là, comme ça, tu peux faire un champ. J'ai baillé avant, en plus. Vraiment, on dirait juste que Maïli me déteste. Je vous jure, on dirait juste qu'elle me déteste. De la part de Maïli. Vraiment. Ah, j'en ai rien à carrer de tes histoires, ça et tout. Vraiment, mais... c'est gravissime. Hein. Maëlie, elle a fait ton truc, la Battle Under Dragon, ça se fera pas. De toute façon, la dernière fois, tu m'écoutais pas quand je te disais ce qu'il fallait faire. Allez. Sale con. Ah, Waouh, okay. C'était pas nécessaire. Okay. Je vois l'ambiance, ok, très bien. C'était vraiment pas nécessaire. Non, mais j'espère que t'apprécies tes deux amis. Bah non, mais écoutez, je vois que le club Pingouin, c'est vraiment que c'est vraiment amour et voilà. Il y a eu une histoire de Blitzcrank et je devais des insultes à Saito. Ça coûte aucun gars. Quoi? Mais comment ça coûte? Quoi? Comment ça 50 subs? Comment ça 50?
Mais attends, mais on a des princes d'Arabie Saoudite dans le chat, c'est pas comment possible. Comment ça, 50 subs? Mais je pense qu'il a volé le compte à quelqu'un. Ah, mais c'est après, après ça plutôt, je le connais, mais je sais, mais quand, enfin, c'est quoi, c'est. Non, plus, non, tu peux nous dire si c'est un prince. Non, mais le Lord Zagoutou, c'est qu'il m'a dit oui, prochain sub, j'aimerais bien offrir 100 subs et tout. Et j'étais là, non, mais attends qu'on fasse des rewards. Il était là, j'étais là, non, mais attends qu'on fasse des rewards pour les subs et tout. Il dit ok, ok, j'attendrai. Bah, super. D'accord. D'accord. Zagoutou, mon dieu, mais putain. Très bien. Très bien, mais du coup, quoi? Putain, si il jamais, a un million sur son compte, oui, je commence non, à penser que c'est un million couteau, sur son compte. Sa couteau, il est majeur au moins? Il ou elle, il est majeur? Non, mais oui. Sa couteau qui a. Sa couteau qui est. Si jamais je cherche un sugar daddy. Hein, à 290. Sa couteau qui a 299 subs offerts sur la chaîne. C'est une dinguerie. Non, mais sa couteau, enfin. En fait, on est à un niveau où c'est à Sakuto de choisir les streams. Hein. Ah là, Sakuto. Oui, bah... Ah ouais, il faut pas qu'on fasse ça. Parce que Sakuto. Ouais. Tu veux qu'on fasse quoi comme prochain stream? Non, mais je jure que oui, hein, je jure que Sakuto, faut qu'on te. Pour ceux qui ne comprennent ça pas. Suffit, hein, ça suffit, ça suffit. Non, mais il arrive à 300. C'est le 300ème. Ah, il voulait 300. Et ben on applaudit Sakuto pour le 300ème. Juste pour que vous le sachiez, avec les économies qu'il y a en ce moment sur Twitch, 50 subs, ça correspond quand même à 200 balles. Voilà, je dis. Ah non, mais c'est une. C'est énorme. Pourquoi il y a un pot de fleurs? C'est énorme et c'est trop gentil, c'est adorable. Bonjour, et comment tu vas, Kikmoon? Merci infiniment. Ça va et toi? Il faudra qu'on se capte sa couteau et je pense que Média a raison. En vrai, je pense qu'on peut te proposer un truc que genre tu choisis un stream ou un truc comme ça, faut qu'on le fasse. Alors, c'était vraiment cry, mais. Non, parce que t'es le sponsor officiel donc. Aïe aïe aïe, et en plus, il souligne pas derrière. De quoi? Non, c'était vraiment cry, et puis il continue à parler. Non, mais je vois. De toute façon, j'ai déjà vu sa véritable personnalité hier sur l'air. Franchement, Saito, si ce week-end, si tu te retrouves avec des trucs bizarres dans ton assiette, tu sauras. Bon. Mais pourquoi j'ai raté un truc, c'est ça? Mais je parlais avec le. J'ai raté quoi? Bah, personnellement, je mangerais. Si j'étais toi, je mangerais pas ce que cry. Mais pourquoi j'ai dit quoi? Et cry, il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai loupé quoi? Bah c'est, en fait, non, c'est juste que t'as dit comme Mélie a dit, et c'est vraiment Cray qui a donné l'idée de. Ah, pardon, désolé. Et du coup, j'ai dit, c'est vraiment Cray, et t'as continué à part. Bah non, parce que j'écoutais qu'à moitié. Mais en fait, j'écoutais pas ce que vous disiez parce que vous parliez en arrière-plan. Vous voyez Non, j'écoutais vraiment pas. On est des voix dans sa tête en arrière-plan. Vous voyez que depuis qu'il est devenu streamer, il a pris les grosses têtes, il nous écoute plus. Non, dites pas ça, c'est horrible. Alors attendez, par contre, temps mort. Big temps mort. En tant que streamer, ne dites pas ça, Saito, il va commencer à avoir un complexe, je sais ce que c'est. Surtout Eh ben, je retire ma vanne. Merci, c'est voilà. Gentil. Merci. Info importante, on a enfin trop de fer. Voilà. C'est... Oh yes. Ok. Moi, je propose qu'on fasse un saut en premier. On se promet. Et merci énormément. De la vanne, mais Sheldon, merci énormément de faire 1000 pioches. Merci beaucoup. Parce que j'en ai ras le bol de perdre les diamants. Ouais, une pioche. Oui, pour les diamants. Ouais, la pioche direct. Les diamants, l'or, j'en ai ras le cul. L'eau, on en a déjà avec la pluie. Le diamant un peu moins. Okay. Je fais juste un dernier disclaimer pour le chat parce que quand même je vois les gens dire des trucs et tout. Alors sachez un truc, c'est que il y a des gens qui peuvent se permettre d'offrir beaucoup de trucs, d'autres non. Sachez que c'est pas une. Il y a aucune notion de concours. Dites pas, moi je peux offrir que 2 subs à chaque. Ce n'est pas. Enfin, tout nous aide à tous les niveaux. C'est gentil de votre part. 1 sub, ça nous fait énormément plaisir aussi. C'est adorable. Ne vous comparez jamais aux autres. Les gens donnent en fonction de ce qu'ils peuvent et de leurs moyens, etc. Et c'est vraiment. Enfin, faut pas qu'il y ait de concours. Moi, c'est hyper important. Qu'il n'y ait pas de concours dans le chat. Le Yukiko, merci pour présent sur les streams, c'est déjà adorable et je vous ai déjà trop cool pour exact. Ça. Exact. Et je dis ça à l'instant où Yukiko offre 20 subs. Et j'ajouterai un truc. Je finirai par ajouter un truc avant qu'on fasse autre chose. Ce n'est pas parce que vous donnez des subs qu'on vous préfère à d'autres. Non, mais c'est. Il faut que vous mettiez ça en tête aussi. Ça, vous n'achetez pas les trashers avec des subs. Alors, merci. Merci quand même à Yukiko. Merci énormément, Yukiko. Merci infiniment Yukiko qui se baigne dans. Mais merci beaucoup. Alors, factuellement, Sareo, ils ont acheté des trashers avec des sommes. Oui, c'est vrai, ils peuvent. Ouais, oui, mais non, sur le côté parasocial, Lolo. Sur le côté parasocial, Lolo. Je sais bien, c'était juste pour la vanne. Non, mais après, c'est aussi qu'il y a. Par contre, faut que les gens sachent, il y a un facteur quand même de souvent les gens qui donnent, c'est les gens qui sont très présents sur les streams. Donc naturellement, on les connaît. Il y a aussi un lien. C'est pas la question de. Ils offrent des subs et donc ils font des trucs. C'est aussi qu'ils sont tout le temps là, on les connaît, machin. Et donc il y a un lien. Et très présent sur le Discord, on le rappelle. Oui. Bah, Sakuto, il l'a tout le temps sur le Discord et tout. Voilà, on les connaît. Donc, on a enfin, Dis-nous, Mehdi. Pourquoi il y a un safe pot de fleurs en haut? Attends, mais la question elle date d'il y a 15 minutes! Oui! Ah oui! Mais c'est avec 15 minutes que je demande! Et que personne ne m'écoute! Ce n'est pas ma faute! Après, les gens ils sont là pour perturber le live aussi! Ils vous donnent trop de trucs, on est là pour perturber le live! Ok, oui, et comme Sakuto le dit, Sakuto il donne parce qu'il peut se le permettre! On m'a toujours pas répondu! C'est quoi? Vas-y, repose ta question, Mélie!
en bonne et due forme. Pourquoi ? Il y a un pot de fleurs en haut. Ah, mais pourquoi pas ? Non, mais. Ah, les amis, c'est quoi les chorus ? C'est tu le manges et tu téléportes. Oh, c'est cool. Tu manges et tu téléportes à la torme. Ah, j'ai eu un bloc de d'or brut. Ouais, il a écrit les gros chaussettes, c'est tout. Quoi ? Non, qui a écrit ça ? Qui a écrit ça ? Non, qui a écrit ça ? Qui a écrit les gros chaussettes, c'est tout ? Oh, j'ai besoin d'explication. Attendez. Est-ce que déjà c'est bon ? Déjà, trouve les panneaux. Il y a plusieurs panneaux cachés, Lolo. Il y a plusieurs panneaux cachés. Comment ça, Kid Moon s'est fait tuer ? Le héros s'est fait tuer ? Mais qui a écrit ça ? Il est tombé. Il est tombé. Alors, il est vide. Qui a écrit ça ? C'est pas drôle. C'est pas moi. C'est pas moi. Je sais pas faire les petits emojis après. Mais oh, merci beaucoup, HL, donc, pour les 1000 bits. Merci beaucoup. Merci. Tiens, regarde, Saito ici. Regarde, Saito ici, là. Là, il y a écrit quoi ? Le Gliata Saito. Miam. Miam. Putain, mais c'est quoi ce lore ? Attends, par ici, Saito. Par ici, ça veut regarde. Dire quoi, le Gliata okay, okay. C'est quoi le gyat le chat ? C'est quoi un gyat le chat ? C'est quoi un gyat le chat ? Ouais, le chat qui répondra pas. Mais merci, ouais, merci infiniment. Enfin, vous vous rendez pas compte. Mais... C'est un gros cul. C'est un gros cul. Ah ! Et là, il y a écrit. C'est Newt Saito. Ah. Saro, il essaie de me faire un message, je crois. Oui. Féro, j'ai fait cette salle juste pour nous deux. Merci. Cette salle à nous deux. Oh, merci tu fais pour le prime. Oh, merci beaucoup, Loki, pour le prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loki, pour le prime. Je te câline, tu fais quoi ? Je te câline ! Je peux plus te câliner, t'es trop haut. Sache que. Il me fait peur au secours. Ok, alors attendez. Calme, attendez. On reprend nos esprits. Ok, il s'est passé plein de trucs. Merci encore à tout le monde dans le chat. Okay, on fait l'inventaire de ce qu'on a. Donc on a plein de trucs et tout. Nos objectifs là, on a toujours rien pour aller dans le Nether, on est d'accord. On a pas trouvé d'obsidienne, on a pas trouvé de lave, on a pas trouvé d'eau. On a trois de fer, c'est ça ? Est-ce qu'on a fait un saut ? Non. Non, on a fait une pioche pour avoir les diamants. Toujours pas le seul. Ok, moi j'aimerais qu'on commence à trier les trucs pour qu'on ait des. Est-ce qu'on peut mettre dans un bloc dans un coffre les blocs, et dans un autre les trucs utiles, genre par exemple les ressources rares, les trucs comme ça, qu'on sache un peu dans quel coffre regarder, qu'on cherche pas à chaque fois dans les trucs. On laisse ça, moi j'ai. En fait, là actuellement tout est dans le même coffre. Donc. Il y a quand même deux coffres différents là. Ouais, mais le deuxième est vide. Ah vous avez vidé le premier coffre. Ok. Je viens de vider le deuxième coffre. Ok, d'accord. Cry qui est incroyable sur cette manche. Mais j'ai plus de boulot. Le bloc il veut plus spawn. Il me vole notre travail, monsieur. Et là, y a plus de bloc. Et là, si tu le remines. Ah si. Ok, c'est bon. Ok. C'est trop chaud. Pardon. De temps en temps, il me plante le bloc. Ok, bon, moi je vais me faire une salle aussi. Allez, c'est parti. Allez, on fait une petite maison. On fait une petite maison en attendant. Hop. Concours de la maison. Il dilapile nos ressources. Moi, je creuse. Non, j'ai pris des trucs pourris, On a tous les deux des skins d'animaux là, en ça, Starion. J'ai pris de la granite. Tu vois. En ça, Starion là, tu vois, on se partage la room là, tu vois. Comme ça là, des skins de furet même. Mais c'est vrai que vous avez des skins très ressemblants tous les deux. On est tous les deux des furets là, ouais. J'ai une question. Oui, Maïli. Oui, Maïli. Y'a un diamant ! Pardon, excusez-moi. Vas-y, pose. C'était la question de Maïli. Non, mais c'est bon, je parle. Voilà, je mais parle. Pourquoi plus, pourquoi je parle, Maïli, parle. Ah, il se moque de moi. Non, mais c'était juste. J'ai une question. Ah, en fait, non. C'est vrai que j'ai trouvé la réponse toute seule. Et c'était quoi la question et la réponse ? Je pensais qu'il manquait des emojis au Twitch et non, en fait, j'ai trouvé. Ah d'ailleurs ce soir, fallait que je teste avec les gens, mais ce soir on va faire un concours. Enfin, on va faire un concours. On va ouvrir la création d'emojis sur le Discord. Voilà. Let's go. Voilà, donc sur le Discord il y aura un salon que je vais ouvrir dans lequel vous pourrez poster pas poster de messages que des images et vous pourrez poster proposer Moon. Des trucs et les gens voteront vous pourrez voter pour les meilleurs emojis. On met tout dans une autre salle comme ça il y a la place. Okay, Mélie, ce que j'ai mis, le coffre qui est ici c'est les minerais du coup j'ai mis tout ce qui est minerais là. Mélie, est-ce que t'as des mazons, oh morceau merci beaucoup Epic Bro. Bonjour Cry. Merci Epic Bro. Bonjour Cry. Excusez-moi vous êtes Bob Lennon. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'était l'une des premières phrases que j'ai sorties en stream à Cry il y a très longtemps. Quand tu dis qu'il s'est complètement vidé, ce que vous voulez changer de place en stream Minecraft d'ailleurs. Oui, il est en haut. C'était pas le SMP ? Il est en haut. Ah si, je crois que c'était le SMP. Il était streamé au début. Vous l'avez mis où le coffre ? Ouais, mais. Il est ici, t'es où ? Ah ouais, t'es en stream. Viens à l'intérieur. Bah, je cherche, je tourne dans tous les sens. On était tous en stream. Non, mais Sareo était en stream, mais il y a un moment où il m'a croisé et voilà. Ah, mais c'est le seul endroit dans lequel je peux pas aller moi. Bah attends, il y a des échelles, Lolo, tu peux vraiment pas ? C'est le seul endroit où je peux pas aller, moi. Là, actuellement, non.
Là, j'ai pas assez d'échelles. Bah, on va faire un accès par dehors. Excusez-moi, vous êtes Dublin. Bah, attends, mais sinon, je me fais un... Non, mais sinon, je me fais des échelles. Le fait de m'approcher à chaque fois. Si t'arrives à y accéder, ouais, ça serait cool, Saito. Je mets tous les minerais là-dedans, vu que c'est des trucs un peu rares. Fait... C'est... Je suis le seul qui peut pas aller dans le truc que vous avez fait. Donc, bah, moi non plus. Je vais tout faire pour que tu puisses y accéder, t'inquiète pas. Ah, vous avez fermé le truc. Vas-y, tu peux y aller là. Ici, là. Ah, mais t'as réussi à y aller. Mais j'ai fait des échelles. Elle vient de faire plus d'échelles. Vas-y, viens, Cry, viens. Bah, je peux pas parce que moi je vais tomber là si j'y vais. Ouais, mais regarde, vas-y, tombe, on va te faire un genre de petite échelle sur le côté. C'est compliqué. Hein. Vous faites quoi? Regarde, on va te faire un jump. Ah, voilà. On va te faire un jump. Ah oui, il suffit juste des échelles là, c'est bon. Jump. Bonjour, Maily. On essaie, je ne sais pas. La vérité, je vais t'aider, Maily. Je t'aide à monter. Ah! Ça monte pas. Mais non, mais je ne peux pas, de toute façon, tu vois bien que j'ai fait pas la bonne taille. Oui, mais regarde, si on met un bloc, hop. Non, mais même. Vas-y, grimpe. Tu veux que je monte? Et comment tu veux que je monte? Je suis mineur. Grimpe juste là. Je ne fais pas. Oui, mais regarde, tu vas voir. Grimpe. De hauteur. Oui, mais vas-y, grimpe. Regarde, tu vas voir. Oui, okay. Tu peux vas-y, pas grimpe. Parce qu'il y a. Ok, oui. Maintenant appuie sur la trappe. Oui. Ok. Oui. Ça marche pas. Mais non. Il aurait fallu qu'il soit un bloc plus haut. Il y a un bloc d'aimant. Est-ce qu'on a dû faire ou pas? Oui. Il y a un bloc d'aimant là. Oui. Bah je revenais là. J'étais parti. Bon bah j'ai un diamant. Il peut en faire là, Cry. Oui, j'ai un diamant. Oh vas-y, attends, je vais le mettre dans le coffre si tu. Ah bah tu veux le mettre toi-même, Maily, ou pas? Parce qu'en vrai il y a moyen qu'on puisse. Suis-moi. Suis-moi, Maily. Tu peux? Qu'est-ce qu'on va faire? On va casser ce bloc. On va y arriver, Maily, t'inquiète pas, regarde, ça va être une petite étape. Mais si, t'es comme en mode. Non, je veux pas casser le bloc. Alors. Mais non, mais je ne peux pas parce qu'il me dit. Passe. T'inquiète pas, Maily. Si, arrêtez de me pousser, je peux pas péter mon bloc, okay. S'il vous plaît. Moi, je suis une maison, le chat. Hein. Maily! On laisse se débrouiller, moi, je suis une maison. J'en ai marre. Hein. C'est bon. Maily, elle a juste dit nique ta mère. mais c'est bon. Mais en fait, il y avait juste à placer une petite trappe. J'étais en train de préparer le truc, mais t'inquiète. Parfait. M'en fous, je suis parti. Non, mais la rebelle. Putain, je veux ça. Oh non, pardon. Aïe! Aïe! Voilà. Bon, elle sera pas très originale la maison, hein. Désolé, mais. Ok. Je suis perdu, je commence à avoir envie de vomir. Premier degré. Bah, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, faut pas trop bouger. Ah ouais, mais moi je trouve ça va, ouais. J'avoue, j'ai mal au crâne. Ah ouais? Alors que je suis à l'endroit. Le petit effet de cinétose, il est bien. Ah ouais, j'aime bien. Ah bah j'aime bien aussi, hein, j'ai pas dit le contraire. Non, je veux dire, mais moi, le fait de voir tout le monde dans les sens et tout, c'est plutôt, je trouve ça même plus agréable. Ah ouais. Ok, j'ai fait un mur. Il est chelou ou pas? C'est tout seul, c'est tout. Ok, j'ai fait un mur. Hier, c'est mon premier mur de ma maison. Mais pourquoi les arbres, ils poussent pas? Et parce que, on vous a dit, les arbres, c'est 4, c'est 4 par 4. Mais pas tous les arbres, même le blanc là. Ah non, on a eu d'autres pauses depuis. Bah oui, on a eu une pause blanche de bouleau blanc. On n'a pas eu de bloc de... qu'on appelle ça. Alors par contre, la personne qui a fait un truc en pierre le long des arbres, trop proche d'eux, c'est pas... C'est ça et tout. Et c'est pour ça que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait, et il m'a répondu en me violant dessus. Non. Oh bah non, mais alors ça... Ça me ressemble vraiment. Il m'a fait oui, mais... Blablabla, et elle demande pourquoi. Mais c'est quoi, de quoi vous parlez, le truc en pierre proche des arbres? La cobble. C'est le truc que t'as mis là pour te déplacer. Ça là, moi j'ai mis 3 blocs, c'est ces 3 blocs là. 1, 2, 3. C'est que du coup c'est très proche des pouces et j'ai peur que ça les fasse pas pousser, tu vois. Après, je connais pas les règles de. C'est passé. Tu l'as poussé? Je crois. C'est pas moi, ça a été. Mais putain, mais vraiment! Mais le chat! Mais aïe! Tu sais que le chat est fou, hein! Tu sais que le chat est fou, hein! Ils font que. Et vraiment, le chat est ruiné, hein! Rien que pour les changes, pas. Je commence à casser des blocs pour dire, bon bah les arbres ils vont pousser cette fois! Je vois Saito qui tombe, je fais. Oh! Putain, mais vraiment! On est une éponge! Oh putain, c'est bien ça! C'est bien, ouais. J'ai un silex, donc on peut faire un briquet maintenant. Oh, j'ai mal au ventre! Oh, ça s'appelait Saito, choix risqué! Le pari sur moi dans le chat! Let's go! Oh, vraiment, c'est horrible! Oh putain! Ah, adieu. Dur. Dur de être un bébé. Dur. Ok. Je suis désolé. Oh bordel! t'inquiète. Bon, on en est où là? La fatigue! C'est fou par contre, à quel point on trouve rien! C'est terrifiant, non? On a toujours pas. On a du diamant. On a du diamant.
On n'a pas encore trouvé. Écoutez, moi j'aimerais. Est-ce que. Parce qu'on sait qu'il y a des, il y a des structures. Est-ce qu'on partirait. Il n'y a pas de gens qui veulent partir avec moi dans, à l'aventure. Aïe Meili, être comme. Pourquoi il y a un feu. Je vais mettre les pièces. Vas-y, quitte-nous, viens avec moi. On part à l'aventure. On prend des blocs et on part à l'aventure. On part à l'aventure. C'est parti. Vous allez à l'aventure. Let's go. Bonne chance, les amis. Tu peux venir. Oui, Meili, viens avec nous à l'aventure. Allez-y, tous les trois. Allez-y, tous les trois. Je reste avec Cry. Je stocke ce qui tombe pendant que Cry mine. Alors, tu peux pas te fouiller tous les blocs. T'as pris tous les blocs? Ok, moi j'ai manque des blocs. Là, okay. On part à l'aventure, moi j'ai des trucs. N'hésitez pas à prendre des blocs dans le coffre principal, les loulous, hein, pour avant de partir. Ouais, je prends plein de blocs aussi, allez vas-y. Non, je passe pas ça ensemble. Ok, plein de blocs. C'est parti, Meili! Là, tu peux descendre par là. Là où je suis. Là, je t'ai fait l'endroit où je t'ai fait qui était un truc de descente. Mais on a que des blocs de merde, hein, par contre, c'est terrifiant. Ouais, alors ouais, les blocs, c'est un enfer. Là. Ok. Juste avoir de la cobble, c'est déjà une épreuve, quoi. D'ailleurs, pourquoi il y a des cobbles qui servent à faire des murs alors qu'on en manque? Je parle avant. Quel est l'idiot là qui a mis de la cobble dans un mur? C'est Saito. Oh, oh putain. Mais pourquoi c'est moi? Alors, pourquoi je suis alors coupable attendez, du tout attendez, 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 attendez. Là, il y a un truc. Le problème, j'ai un problème, Cry. What if si on fait chauffer ça, on a plus de blocs après? Non, mais Saito l'a fait tout à l'heure. Il suffit de reposer un bloc et de le recasser, ça relance la machine. Oui. Ok, ok. Mais là, du coup, faut d'abord qu'on fasse un saut. Est-ce qu'on a 3 de fer? Faut qu'on mette des torches en dessous là. Pour le Je vais voir si on a 3 de fer. Je vais chercher le voir. Oh, c'est bon. Je peux en faire chauffer. J'en fais chauffer là, Cry. Parfait, parfait, parfait. Oh, y'a de l'eau. Meili, elle s'endort. Je te fais le saut, Cry, et je te le donne. Mais c'est tout, on a fait un mauvais truc là. T'es où? Bah, je suis là où t'as commencé. Tu peux me refaire une échelle parce que je suis mauvais. Mais oui, on va vers le vide. On va vers le vide. Mon écran se met tout noir d'un coup. Ah oui, putain. Attends, j'ai envie de voir. Ok, je te fais un saut, Cry. Le saut est prêt, je t'amène. Oui. Ah oui, on est dans le vide. Ok, tiens. Cry, c'est la merde. Hop. Je l'ai. Ok, on part vers la gauche. Attends, enfin, on part vers ma gauche. Bonjour, Meili. On part vers. Alors, en principe, non, toi, je le tiens, je récupère. On part vers ton haut. Ok, on part vers ton haut. Non, attends, comme ça va être compliqué. Ah merde, non, vers ton bas. Malheureusement, c'est pas comme ça. Il aurait fallu. Non, je vois pas. On va vers. Ah oui, non, on va par là. T'as raison. Je pense qu'il faudra poser un flou. Par là-bas. En fait, la prochaine. Comment je fais? Ça, tu peux rejoindre. Là, ici, tu peux rejoindre ou pas? Si je vais comme ça. Je passe par l'intérieur. Là, ici, je te mets. Je mets le temps pour passer. Attends, par où? Je te fais une passion pour passer là. Ok, j'ai trouvé deux blocs de. Je suis à l'intérieur là. Ah ouais, mais non, ressors là où t'étais juste avant. Mais c'est pas. Attends. Il y a des graines de pastèque, on devrait pas les planter? Mais elles sont plantées, mais le problème c'est qu'il y a rien qui pousse. Non, mais dans le coffre il y a des graines de pastèque. Oui, mais oui, c'est qu'on en a déjà pas dans toi la mais comme elles poussent pas, c'est chiant. Mais personne ne m'a prévenu que c'était là. De quoi? Des graines de pastèque. Ah oui, non, t'inquiète pas, Meili. En gros, tu n'as pas besoin d'en planter plus pour l'instant, parce que dans l'idée, même celles qu'on a là ne poussent pas. Même les arbres qu'on a ne poussent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils sont. Ah putain de merde, peut-être qu'ils sont plantés trop près des autres. Meili, tu peux venir par ici, s'il te plaît? Parce que je pourrais pas le récupérer là. Regarde où je suis au-dessus de toi. Alors, est-ce que tu as moyen de bouger la pousse la plus verte? La plus tard. Ah oui, on va faire le haut. Tu la retires et tu la mets juste un peu plus loin. Elle Mais putain, on s'est encore trompé. Ouais, celle-là, Meili. Bon, et tu la mets juste. Voilà, exactement. Ok, attends. Autre chose. Elle décale où là? Ouais, sous tes pieds. Voilà, parfait. Comme ça, elle est un peu plus loin de la pousse. Ok, de chêne, par là, vas-y, par là, ça va. Par là, ça va. On n'a pas trop le choix, vu qu'on n'est pas dans la même direction. Oui, non, t'as raison, en fait, notre direction, elle est pourrie, on a aucune synergie. Oh, mais quelle galère. les blocs qu'on obtient, par contre, j'insiste, hein, c'est vraiment de la D. Hein. Ce qu'on fait, c'est que je fais pareil, moi aussi, je mets sous mes pieds, tu me suivras. Ah oui. Là, j'ai une pousse. Pousse à cassia. Ok. Ça pousse. Oui, la cassia, ça pousse. Mais après, c'est que pour pousser. Mais il en faut qu'une, quoi. Mais on avait déjà eu une pousse de bouleau, je crois. Oui, de chêne blanc. Il y a longtemps d'ailleurs. Ouais, et ça jamais elle poussé. Ne pousse pas. Ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui pousse. Ouais, mais du coup, il nous faudrait un bloc de. Ce qui nous mettrait bien, ce serait un bloc de. D'os. Ouais. Ah, mais attendez, mais non! Mais on est des merdes! Quitte-moi, Nathan. Je reviens. Les amis, on ne connaît pas les mécaniques de Minecraft. Je suis bloqué, hein. Oui, j'arrive. Non, mais on est des merdes en fait! Mais moi, c'est normal, je sais pas jouer. Mais regardez, moi, je vous explique comment on fait. En fait, un compost. Mais oui, il faut faire un composteur. Hein? Mais faut faire un composteur. C'est vrai. La paquette ice, ça fond pas. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut faire fondre la paquette ice? Je sais pas, Cry.
Les experts de Minecraft, est-ce qu'on peut faire fondre la paquette ice ou pas? C'est pas ça, non, mais ça demande. C'est quoi la recette du composteur, j'ai oublié. Pas la paquette, on est d'accord, Monin. Non, non, pas la paquette. C'est la ice normale. C'est quoi la recette du composteur? Laquelle? Oh, j'ai oublié. Celle-là, c'est la blue ice, celle-là. Ok, dites-moi dans le chat, c'est quoi la recette du composteur, j'ai oublié. Des demi-dalles, c'est des demi-dalles, ok, c'est des demi-dalles, ok. Bon. Ah oui, c'est ça. C'est genre ça? Comme ça? Non? Ah, j'ai la récipient, attendez. C'est que des demi-dalles? Oh! Ouais, c'est non, mais non, mais c'est que des demi-dalles, ok. Qu'on a passé. Pardon. Je t'ai vu, Sario. Ah, désolé, hein, j'ai plus l'info. On va en faire plus. Mélie, dans 10 minutes, elle est couchée. La Mélie a fait dodo là déjà. Ok, j'ai fait des composteurs. Donc en gros. Ah, mais y'a pas besoin d'en faire plusieurs, je suis une merde, ça sert à rien. Putain, je suis trop con. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, Mélie. Oui. T'es où? Ok. Bah, là, je viens de passer devant moi. Là, regarde. Quel putain d'intérêt d'avoir des éponges mouillées. Je te fais un je te file un composteur, ok? Ouais. Le composteur. Regarde, je te montre quand ça. Non, je te le montre quand ça. Ah, mais c'est pas le pot de fleurs ça? C'est ça le composteur. Ok, ok, ok. Ah, on a une, un composteur, une dedans, tu peux mettre n'importe quel objet. Tu veux le briquet quand même, n'importe quel objet naturel, genre des pousses d'arbres, de l'herbe, des graines, etc. On et a quand la tu le mets dedans, aussi. Ça charge, et à force de le charger, et quand t'arrives tout en haut, tu cliques dessus et ça te fait de la bonne mille pour pouvoir pousser. On est niqué. On est niqué. La quoi? La bonne mille, c'est le truc avec les. La poudre d'os. La poudre d'os. Ah! Putain, c'est bon. Ah! Ça te fait la poudre, tu peux mettre, genre même des graines de melon par exemple, tu vois, les graines de melon tu peux les mettre dedans, etc. Et ça te fait de la pousse et du coup, les pousses tu peux les utiliser sur les arbres. Ok? Mm-hmm. Ça te va? D'accord. Non, ça te va pas? Si, si. Ok, parfait. Très bien, je rejoins Kidou parce qu'il est bloqué depuis tout à l'heure. Sérieux, ce que tu. Saito, ce que tu comprends pas, c'est que Maïli veut juste aller se coucher là. Mais est-ce que quelqu'un d'autre veut faire le composteur dans ce cas? C'est que je comprends pas trop comment ça fonctionne. Je vous ai expliqué, mais vous écoutez pas. Ok, je vous réexplique. Le composteur, en gros, cet item là que j'ai posé ici. Oui. Ça. Dedans, vous pouvez mettre n'importe quel objet naturel, c'est-à-dire genre des graines. Est-ce que le papier ça fonctionne? Non, mais je pense que tu peux mettre directement de la canne à sucre. Alors, on a un problème. Ah, t'as crafté de la canne à sucre en papier? Oh non. Ah. On a un problème. Alors, ok. Mais, mais t'inquiète, il va y avoir d'autres blocs. Okay. T'inquiète pas. Et quand t'arrives au max, quand t'arrives, tu fais un clic droit dessus et ça te donne de la bonne mille. Ok. Putain, le chorus, c'est pas naturel. Non, non, mais quelqu'un a bloqué ma porte, je peux plus sortir chez moi. Dommage. Ok. Kit Moon, t'es dans le coin? Oh, ça va, on est pas trop. Pas trop, non. Ah. Non, Kit Moon, il est bloqué, c'est pour ça que j'ai parti, parce que Kit Moon, il est bloqué, il peut plus jamais bouger, c'est impossible. Tant que je suis pas là, il peut plus revenir. Le chat, il me faut une solution pour faire fondre de la glace. Des torches ou des feux de camp? Ah bah là, j'ai mis un feu de camp en dessous, hein. ça ne bouge pas. Hein. Je crois que ça passe pas sur le bloc, malheureusement. Après, est-ce que c'est de la... Est-ce que c'est de la c'est pack la normale. Ice? C'est de la... Ah ouais, aucun cas, c'est normal. C'est pour ça que c'est compliqué. Là, c'est de la normale. Qu'est-ce que c'est que cette tour de bois, là? Ok, j'arrive, Kitou. Ok, je suis là. Ah oui, vous avez bien exploré, en effet. Ok, t'es prêt? Mais alors, du coup, le truc, il faut... Ah, mais comment je fais? Après, moi, comment je vais faire pour descendre une fois que je serai descendu? Bah, c'est la question que je me posais, parce que là, par exemple, je suis complètement bloqué. Ma seule solution, c'est... Le suicide. Ah oui, merde. C'est vrai. Ah, ça a fondu. Donnez-nous des idées. Donnez-nous des idées dans le chat. Oh, elle a fondu, ok. De l'eau. Je vais régler le problème. On a de l'eau. Non, Kit Moon. Kit Moon, reviens, Kit Moon. J'ai réglé le problème. Non, Kit Moon. Eh bah, pour la peine... Putain, on a perdu Kit. Oh, non. C'est pas grave, il revient. Encore. Et comment ça il a perdu? Ben non, on est en Keep Inventory. Oh, merci beaucoup Doc Lock TV pour le sub. Merci infiniment. On est bien en Keep Inventory, Keep Moon, non? Oui, on est en Keep Inventory. Au revoir. Reloulou. Ça va, Loulou? Oh, c'est même pas un marchoir. Aïe. Il y a vengeance. Asagi. J'ai essayé de te venger. Oh. Ok. Mais du coup, le composteur, ça a l'air de marcher. Oui, bah oui, composteur, ça. Oui, mais composteur, c'était. En fait, composteur, franchement, c'était le truc de base et on y a juste pas pensé. Quand j'ai dit ça, dans mais le oui. chat, les gens lâchaient des fous les mots de ce facepalm en mode putain, ils ont enfin compris. Ils étaient trop vénères. Mais par contre, ça pousse. Par contre, il veut pas pousser ces arbres-là. Cry, il regarde la glace en mode ça va le faire fondre. Par contre, ces arbres-là, ils peuvent pas pousser, ils sont trop proches les gens. Je suis parti vérifier si. Kit, on est d'accord? Ils peuvent pas pousser ces arbres-là. Non, la blue ice ne font pas. Ah, fait chier.
Ils, on est d'accord qu'ils peuvent pas pousser les arbres là, ils sont collés. Il y a que un d'écart entre les arbres. Alors, où est-ce que c'est? Là, ils se sont déjà été décalés. Hein, ouais, mais non, mais un d'écart entre deux arbres, c'est pas possible, ça peut pas pousser. Hein. Aucune idée. Tu veux de la neige? Ah, je suis presque sûr que. Mais Mélie, tu peux aller dormir hein, si t'es crevé. Mélie? Mélie? Bonjour Mélie. Ouais. Si tu veux aller crevé, dormir? Tu peux aller dormir hein, si t'es crevé. Hein. De quoi? Si t'es fatigué. Tu peux aller dormir si t'es fatigué. Non, t'inquiète. Parce qu'on t'entend bailler vraiment toutes les secondes, quoi. Non, t'inquiète, ça va. Parce que vraiment, t'as vraiment l'air de. C'est vraiment ça. Mais il y a là. Je sais pas quoi faire. Je crois que c'est malheureusement le problème de tout le monde ici, non mais, à part Cry. Non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des trucs à faire, mais par exemple, Mélie elle est censée s'occuper des trucs et tout, mais par exemple là, les arbres ils sont plantés côte à côte et du coup ils peuvent pas pousser. Mais comment ça, je les ai décalés? Ils sont pas plantés côte à côte? Mais y a que un d'écart entre les deux arbres. Apparemment c'est deux, de ce que j'ai compris. Oh, c'est même peut-être mais deux. C'est Saréo qui m'a dit ouais, de non, le non mais c'est pour ça que j'ai dit de ce que j'ai compris, c'est... Moi je pense c'est que c'est plus que ça. Personnellement, je ne pense en fait, pas. Une fois qu'il y a un arbre qui a poussé, bloc à ramasser, là, quelqu'un pour venir ramasser le bordel. Merci, Mailly. Bien joué, Mailly. Mais on est d'accord qu'on a de l'eau maintenant, là. Bah, on a un d'eau. Oui, mais on a un seau d'eau, on est d'accord. Ouais. Ok. J'apprends des choses. J'étais sûr. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, OneBlock nous dit qu'il y a certains blocs qu'il arrive pas à faire tomber. Oui, c'est... Ouais, du quartz ou ce genre de truc, mais c'est pas très grave. Parce que, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne. Ouais, non, c'est pas le bon nom dans le mode, je pense. Je pense que c'est possible, je pense qu'il y a des trucs qui sont incohérents. Tiens, je vous mets le seau, allez le vider quelque part, comme ça. Ah, mais il y a quelqu'un qui est en train de. Attendez, est-ce que tu es sûr que tu récupères tous les blocs? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous dire que les blocs qui tombent dans le feu, ils sont détruits. Et que du coup, il y a un truc de feu juste en dessous, et que du coup, tous les blocs qu'on mis, ils se sont dans le feu. Ah, putain de trou de mort! Oh non, mais pourquoi y a plus les échelles à chaque fois? Oh vraiment, mais putain, mais en fait, le problème, c'est qu'on est les pires joueurs de Minecraft qu'on ait jamais vu, c'est ça le truc aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils me retirent les échelles à chaque fois, du coup, je ne peux plus. Non, je peux pas passer. Mais il y a des gens qui font des trucs bizarres, moi. Je m'en fous que tu ne passes pas, Kitmoon. Il y a un imposteur. Il y a l'imposteur. Ok. Débrouille-toi autrement, Kitmoon. Débrouille-toi autrement. Battez pas, s'il vous plaît! Enlevez le camp. Vous allez vous séparer à cause de moi. Oui, le chêne noir, on sait qu'il va pas pousser le chêne noir avec une seule pousse. On sait. Ok. Comme ça. Alors. Mais il faut qu'on ait... Non, mais il faut qu'on aille explorer. Je dis ça. Il faut qu'on aille explorer. L'exploration en question. Le vide. T'as des blocs, Saito? Comment est-ce que je vais explorer, Saito, sans vouloir? Non. Mais non, mais Saito, t'abuses, là. Non, mais j'ai respawn. J'ai juste respawn, vraiment. Ok. Excuse-moi. J'ai juste respawn. Non mais putain, mais les gens dans le... Vraiment, c'est honteux que je meurs autant. Ok. Bon, bref. Ok, on est là. Je crois que c'est ici. C'était mauvais, quoi, mais... Allez. Mais quoi? J'ai été projeté dans les airs. Please, help. Non mais vous inquiétez pas, les gars, on va battre l'Under Dragon. Y a... Non mais après aussi, enfin désolé, mais y'a pas d'efforts qui sont faits. Y'a aucun effort qui est fait, donc désolé. Non, c'est pas possible. Bah l'effort en question, malheureusement, c'est qu'on est vachement en attente de certains blocs. Hein. On est... C'est que les blocs, c'est de la merde, hein. Écoutez, on a rien là. On est comme c'est ça. C'est l'oxyde, putain, Mélie qui bague derrière, vraiment. C'est quelque chose, hein, franchement. Mélie qui est là, vraiment, dès qu'on dit une phrase, elle bague, putain. Le live, vous êtes. Notre première bonne mille. Vous êtes comment le chat là? Vous avez pas envie d'aller vous coucher? On a de la bonne mille. Ok. Mais en fait, attendez, j'ai une question. Pourquoi on fait pousser des arbres? Les SMR bâillement. Parce que c'est bien d'avoir une source de bois. On a déjà je sais pas, parce que je sais pas, vu l'immensité de ponts en bois que vous avez fait, ça serait bien d'avoir des ressources. Pas d'accord. Je crois que c'est info. Inconnu. Ah. One block level peut-être. Mince. On doit être niveau 13, je crois. On est à Deep Slate, quelque chose de genre là. Ah. Ça ne marche pas, j'arrive pas à faire les commandes. Je pense que c'est parce que je suis pas obligé. Attends, je vais vous dire. Bonjour et bienvenue. On est au level 13. Minecraft. Et au niveau 16, on a que ça là? Je vais de suite. Level 13, ouais, ça va jusqu'à 3. Sensation. Attends, on aurait déjà dû avoir des trucs là quand même. Ok, j'ai de cryamine. N'hésitez pas. On mine ensemble. Pourquoi toi t'as le droit? Mais non, mais t'as le rosé. Bah non, parce que j'ai pas de pioche. Bah tu veux que je te fasse une pioche? On récupère vos trucs. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant qu'ils finissent brûlés dans le feu. Aïe. Mais qu'est-ce qui cloche? Mais il y est une cloche.
Tu vois. La fatigue. Par contre, fais gaffe, parce que si jamais ça repop de la glace, il faut pas le péter en fait. Ah oui, bordel, pardon. Il faut être un peu prudent. T'as raison. Bah alors, ça a été mais moi, j'ai écouté. Ah, ok, de la glace. Non, ça va, on s'en fout. Je vais aller jouer de la guitare, j'en reviens. Faut pas celle-là, donc. Mais attendez, mais ça c'était. Mais attendez. Allô. Mais attendez, mais. Excusez-moi, j'ai mon micro qui bug. Mais on a des wet sponge depuis tout à l'heure. Mais on en a plein d'eau. Quoi? Mais on a un milliard d'eau, on a des éponges mouillées. Tu peux faire quoi avec les éponges bah, mouillées? Bah tu les fais fondre dans le four et ça te donne de l'eau. Genre ça te donne un seau d'eau. Ouais. Aux dernières nouvelles, ça te donne une éponge sèche, mais. Ah oui, mais tu peux récupérer l'eau si tu le fais fondre avec un. Ah plutôt l'essorer quoi. Non mais si tu le fais fondre avec un. Comment on appelle ça? Oh merde. Avec un seau. Ah mais non, faut un seau de lave, c'est ça? Ah oui, faut un seau de lave, ok. Mais bien sûr que ça te donne un seau d'eau si tu le fais avec un seau de lave, c'est pas ça? Je vais mettre un pot de fleurs pour décorer. Les éponges, ça irrigue. On peut utiliser les éponges pour faire les. Voilà. Oui, irrigue avec, mais ça ne réglera pas le problème de. Il nous faut de la lave. Parce que mine de rien, un de lave, on fait un générateur à cobalt. Oui, en vrai, j'avoue, comment on fait pour avoir. Comment on fait? Les amis, là, dans le chat, vas-y, du Baxit, là. Votre bloc sous 5 grammes d'alcool. Bah attendez, on n'est pas des. On est nul, ok. Putain, j'ai cru qu'on avait de l'obsidienne, c'est de la roche noire. Faut mettre un seau. Oui, on est d'accord, faut mettre un seau en dessous. Mais un seau. Mais c'est vraiment ça. Non mais c'est ça. Attendez, j'ai envie de faire l'expérience. Parce que moi, j'ai l'impression. Vous savez quoi? Je ne regarderai pas le wiki. J'ai l'impression que ça a du sens ce que je suis en train de dire. Il y a quand même 411 personnes qui nous regardent trimer depuis 2 heures. vraiment. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est un des lives où on a eu le plus de gens. Alors que vraiment. Mais quoi? Il est très bien ce live. C'est Minecraft. Il est très bien ce live. Mais c'est fou, vous décriez tout ça. Vous faites que décrier le live. Vous faites aucun effort. Non. Ok, quelqu'un a du fer. File-moi du fer. Oh putain, on ne fait rien. File-moi du fer. J'ai besoin d'un de fer. Si on en a plus, Loulou. J'ai besoin d'un. Il me faut un de fer. On n'a plus de fer, Loulou. On a 5 diamants, 14 cuivres, 3 d'or. Il y a 2 de fer, je crois. Mais on est d'accord? Non mais le chat, vous êtes d'accord? Oh, il y a de l'eau. J'ai besoin du seau là. Mais en fait, c'est toi qui mais le chat est d'accord avec. Mais je vous jure que vraiment, on a. Non mais Saito, on s'en branle, c'est bon, on a assez. Ah non, on a de quoi faire une source infinie. Oui, on a de quoi faire une source infinie. On pouvait faire une source infinie il y a longtemps déjà. Oui, mais c'est bon, c'est réglé là, donc voilà. Oui, c'est l'idée. Mais non. Mais arrêtez. Waouh, attendez. Temps mort. On va faire une thérapie. Tout le monde dans la salle de droite là. Tout le monde. Je veux tout le monde. Donc, d'abord, récupérer l'eau et faire une. Attendez, je vais faire un smiley. J'ai plus envie de faire des smileys tristes que de. Voilà. Hop, je mets du fer à cramer ici. Comme ça, on aura un second saut. Ah oh putain, vous voyez le chat, c'est moi ça. Ouais, vous voyez le chat, ça c'est moi ça. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive? Il a fait un smiley. Vous savez quoi, je me noie, j'en ai marre. Voilà. Quoi, ça c'est moi là, voilà ce qui se passe. On devait pas faire une thérapie? Si, mais personne ne veut donc. Moi je veux la thérapie, ça me sert à rien, moi je suis fait pour être mort ça. Voilà. Ok, Sardoche. Okay, hop. Hop, regardez, hop. Je fais ça, et là voilà, voilà. Attendez, mais. Ah, si, ok, je passe comme ça. Hop. Voilà, on a une source de. Qu'est-ce qui représente ton cerveau, Saito? Ton perso, pardon. Il représente quoi, ton perso? Bah là, il c'est une vraie question. Il pleure, là. De quoi tu parles? Ah, d'accord. Bah, pour moi, c'est un fake smile, hein, là, pour moi, il sourit. Hein. Ah, parce que t'es à l'envers. Hein. Ouais, pour moi, c'est juste un mec qui a un très beau sourire et de jolies tétés. Hein. C'est juste ça comme ça, mais. Pardon? Non, moi, il est triste. Moi, il pleure. Le et gars. On pleure, touche. Ping-pong. Bon, allez, dans le chat, finis-nous. On veut du backseat dans le chat. Comment on fait pour la lave, là? Est-ce qu'on a un moyen de récupérer de la lave? Parce que le fer, on n'a pas de dripstone, donc on peut pas récupérer la lave avec la dripstone. On n'a pas assez de fer, de toute façon, pour faire d'autres sauts. Mais après, on peut réutiliser les sauts du sens infini. À part la dripstone, c'est sinon. Parce qu'une source. Ça peut pas spawn une source de lave, on est d'accord. Hein. Bah, je pense pas. On l'aurait déjà pris dans Radiol, je pense. Mais par contre, d'accord. La dripstone pourrait spawn. Mais en fait, à part la dripstone. Mais dripstone, après, on a chopé 40 milliards de merde. Hein, donc. Village ou lézard. C'est vrai qu'on peut aller chercher un village. Hein.
Oui, quoi, village, ça marche. Mais on est pas plein de blocs. Je sais pas où ils sont. Non, mais dans mon inventaire, j'avais plein de blocs. Mais bah, on a plein d'éponges si tu veux. Non, bah, les éponges, c'est bon. Moi, j'ai compris qu'on me détestait avec les éponges. Alors que oh putain de merde. Très, très bien, les éponges. C'est quoi ? Allez hop. Oh. Allez hop. Allez hop. Oh. Regardez, hop. Allez hop. Hop. Non, mais on a coupé mon seul accès. Regardez. Regardez. Ça, c'est ma maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis la source d'eau infinie dans ma maison et je ne peux plus y accéder. Oh. Moi, j'ai demandé 20 fois à ce qu'on fasse une source d'eau. Personne ne l'a fait. Je l'ai fait. Bon, de très voilà. Bon, d'accord. C'est tombé sur ta maison. Bah, très bien. C'est toujours moi qui prends. On me déteste, j'ai compris. Oh putain, quel numéro. C'est la base de Cry. On me déteste, on me déteste. Cali Slato. Allez hop. Ah, mais, c'est bon, il y a des mobs qui spawnent parce qu'on a fait des plateformes pour pouvoir spawner. Les artistes du Discord de Trash là, est-ce que vous pouvez pas nous faire un Saito avec une petite coquille sur la tête? Ah, ouais, le petit Saito Calimero là, j'adore. Ouais. Ça ferait une super emote en vrai. Ok. Ok. En fait, si on fait une plateforme ici, on peut faire spawn. Mais il est derrière. Je suis toujours en vie. Sachez que les arbres ne poussent toujours pas, même avec la bonne mille. Mais après, est-ce que ça se peut spawn sur le bois, les mobs, ou il faut forcément de la terre? Non, non, moi je pense qu'il y a un souci avec le serveur, hein, je vais pas vous mentir. Non, je sais pas, j'avoue. La vitesse, le tick rate, ou un truc de genre là, non? Oh, c'est pas sûr, ouais. Rien. Rien avec les corquis. Craft des blocs avec les bûches. Ouais, je le ferai après. Oui, non. Non, c'est bon, là les mobs spawnent, mais ils peuvent pas nous atteindre. Ah, ça a marché. Est-ce qu'il y a des mobs qui peuvent nous... Est-ce que vous pensez qu'il y a des mobs qui peuvent on nous a un boulot du... Ah, c'est bon, non, non. Ah, mais ça y est, t'as mis, ouais. Ah, on a fait la règle du tick, c'est monté. Tu crées à 2000. Ah, mais l'important, c'est que ça marche. Ouais, j'ai un de ces mal de crâne, c'est terrible. En vrai, ça nous sert pas tant que ça. En vrai, ce qui nous sert le plus, c'est d'avoir les... Si on avait de la lave, on ferait un générateur à cobble infini et ça serait réglé. Oh mais en fait, non, mais c'est vrai, après, même pas tant que ça, parce que ce qu'il nous faut, c'est soit qu'on ait de l'obsidienne. Parce que générateur à cobble, ça va pas tant nous. Enfin, ce qu'on veut, c'est arriver dans le nether aussi. Et là, le truc, c'est que. Mais générateur à cobble infini, tu peux explorer, donc du coup, tu peux aller chercher. J'ai vu le message. Villages, genre les trucs. Il y a mon chaton qui est à côté de moi. Chacha, comment tu vas, Yoka? Moi, j'ai pas compris pourquoi Mélie avait râlé. J'ai entendu faire oh, mais j'ai pas compris pourquoi. Oh putain! C'est spoiler, Ken. Quoi? Ah! T'es spoiler dans le chat? Non, sur Discord. Sur le Discord Pro? Non, sur un des deux Discord commu. Ah ouais? Oh, triste. Bah, ban ça, à va vue, ban, ça. Ça va ban, ça va ban. Ça ban, oui, ça oui. Ban. J'ai ban, et je pleure. Oui, dans Wana. Elle doit rester dans le vide pour les araignées. Ouais, mais araignées, ça nous fait quoi? Nether ou maison du forgeron? Ouais, bah, je suis d'accord, mais. Attendez, mais est-ce que. Attendez. Mais on a des problèmes de gravité. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on envoie quelqu'un en full gravité. Merci, Benja, pour le. Merci. Ah, oui, c'est une bonne idée, ça. On envoie des gens en fait full gravité pour voir s'il y a des structures autour de nous, en fait. C'est tout bête, faut juste faire ça. Je fonce, oui. Bon, là, moi, y'a rien. Suicidez-vous. Je vais vers le nord. Moi, je vais vers le sud. Sur sud, ici, y'a rien. Mais j'étais un peu éloigné, en vrai. Adorable, Azerty. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'il faut les prédire. Ok. Azerty. Ok. Là, je cherchais par là. Alors, est-ce que par là, il y a des trucs? On cherche. On cherche les gens. Je préfère rien, il n'y a rien sur le sud. Moi, t'es sûr qu'il y a des structures spawn? Parce que moi, je vois rien au sud non plus. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de structure. Hein. Il y a des structures, mais je crois qu'il n'y a pas le. Enfin, il n'y a que le Stronghold. Ah, il n'y a que le Stronghold? Ok. Bah, s'il n'y a que le Stronghold, ça va être compliqué. Après, il y a la lave sous le portal en principe, mais. Oui, c'est vrai, hein. Si on pouvait le après, trouver, ouais, ce serait dommage. Là, on n'a rien non plus. Où est-ce qu'on peut. Ah, mais le Stronghold, ça doit être vers le bas en plus. Bah après, oui. on peut le voir. Tu vois, suivant la direction dans laquelle on saute, quoi. Oh Il faut que je m'en fasse. On a des arbres. Oui, les arbres spawn. Comment je fais pour re-rentrer? Pourquoi je prends des dégâts? Ah, bah ouais, mince. Ah, mais attends, mais j'ai tombé vers le nord, pourquoi je... Et parce que toi, tu... Est-ce que c'est pas que t'es allé trop dans le ciel? Oh putain, mais oui, je suis trop con, mais je suis trop con, moi je vais dans le ciel. Oh, t'inquiète pas, Kitmoon, je vais régler le problème. Je sais pas ce que vous faites derrière, mais vraiment. Kitmoon, je suis désolé. Ouais. Il m'a poussé. Je suis triste. Putain.
J'ai mal au crâne, j'ai mal. Ok, bon là, vraiment... On est coincé. Sareo qui souffre, Maïli qui dort. On a rien trouvé là. Bien. Putain, c'est terrible. Même pas une dripstone. Le bord n'est pas une solution, il faut dire à Crestone lui. Ah, il fait... Pauvre Crestone, déjà, c'est le mineur. Oui, on a rien, on a les... Je ne sauterai pas dans le vide puisque je ne bouge pas de mon minage. Coucou mon chat. Dripstone et tout. En vrai, je manque de solutions. Hein. Dans le chat, vous avez pas des idées là? Yoka? À part trouver des... À part trouver de l'obsi. Le seul truc qu'on a, c'est trouver de l'obsi, elle est dans le nether, mais... Sans Yoka? On peut pas faire... Une... Comment on fait pour avoir de la lave dans le chat, vas-y. Filez-nous des idées là. Yoka? Ah oui, il faut quand même la lave au-dessus pour la dripstone, ça sert à rien. Bah, il faudra un de live dans tous les cas. En vrai, on a. En fait, pour là, avoir de la lave, on a aucun récupérer. Autre moyen. Je crois pas qu'il y ait une solution. Hein. Mais c'est forcément. Il y a forcément une solution. Bah, le one ball doit être finissable, donc doit y avoir un. Oui, non, mais c'est forcément finissable. Truc, il y a un truc dans les coffres qui spawn. Ah, peut-être dans les coffres, ouais. Non, c'est parce que. Mais vraiment, en structure, ça génère pas de village. Il y a des gens qui disent le marchand ambulant. Non, les villages, ça spawn. Ouais, mais le truc, c'est qu'on a pas fait de plateforme. En fait, le truc, c'est qu'on a pas fait de plateforme. En fait, on a pas fait de plateforme en haut, dans le bon sens, pour faire spawn les villageois et les mobs et tout. Parce que on l'a fait sur le côté, du coup, les mobs commencent à spawn que maintenant. Mais pareil, en fait, on a ah pas. Mais oui. On a pas fait. On va en trade un avec un villageois zombie qu'on guérit. Oh, bordel. Mais ça prendrait des heures. Parce qu'il bah faut là, avoir bah là, oui, puis là, et des potions. Bah non, il faut avoir des potions. On peut pas. Bah ouais, parce qu'il faut aller dans le nether pour ça. Ou avoir du cul dans un coffre. Dans les coffres qui spawnent à la place du bloc, il y a jamais rien dedans, ils sont toujours vides. Ah si, il y a toujours un petit truc dedans, mais bah c'est pas forcément fou. Ok. On a déjà eu l'arme de gaz, typiquement, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut aller enlever les trucs qui sont dans le coffre? Parce que j'ai pas accès, moi, à la salle des coffres. Vas-y, dis-moi. T'as besoin de quoi? Bienvenue, Toby. Juste vider ces coffres-là pour que je puisse mettre les trucs dedans. Ah, vider ces coffres-là, ok. Que je prends, je vide. Pour faire un accès à Kit Moon, hein, parce que le problème, c'est qu'on peut pas avoir le même accès tous les deux. Mais oui, il faut que... Bah oui. Bah sinon, je mets une autre échelle de l'autre côté. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il faut qu'on fasse deux accès différenciés. Sinon, je vais me poser sur le toit de notre petite maison. Ok. Hop là, tac. Allez. Merci. Allez, à tout de suite les gars. Oula. Parce que même avec on a rien. Oh, de l'eau encore. Ah, de l'eau tout bah, court. De l'eau tout court. On en a pas besoin donc bah écoute. Écoutez, moi je vais décrire la vidéo. Ah. Ouais, mais ça arrive régulièrement. Quelqu'un. Attends, mais est-ce qu'il y a pas un monde dans lequel les blocs ne spawnent pas, c'est les bugs et le problème. C'est possible. Le coral. Parce que la vie, c'est pas un univers qui se reboucle. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine d'eau qui... Ouah, pourquoi il y a un tour d'eau qui tourne? Ah mais attendez, mais dans ces coffres-là, par exemple, Cry, là, t'as checké ce qu'il y avait dedans ou pas? Non. Bah, ça tombe automatiquement, de toute façon, quand tu le passes. Non, je veux dire, quand il spawn le coffre, est-ce que t'as déjà fait clic droit dessus pour voir s'il y avait un truc dedans? Bah, je peux pas parce qu'il y a un four de poser au-dessus, donc je peux pas les ouvrir. Donc ça se trouve, depuis le début, il y a des trucs dans les coffres et on le sait pas. Et quand je casse les coffres, ça tombe dans mon inventaire, en fait, Saito. Ah, et je vois ce que j'ai dans mon inventaire okay. Et je n'ai pas d'objet miracle dans mon inventaire. Alors on a aussi un autre problème, c'est que notre agent l'a terre du dessus est morte. Genre elle fait dodo. Ouais. Du coup bah on peut pas faire la plateforme pour avoir des villageois si c'était oui. L'une des solutions. Oui, je suis là. Ah tu es là? Okay. Ok ok. Dans ce cas-là, il faudrait que tu arrives à faire une petite plateforme de terre ou autre avec une maison. Bah, une plateforme de terre? Ouais, comme ça tu pourras faire une petite maison et ça fera spawner un villageois ambulant. Ouais, ça te spawn souvent là en plus, c'est un peu terrible. De plus en plus, hein. The seagrass. Ouais, après c'est vrai que... Ah, parce que c'est les trucs qui sont dans l'eau, c'est pour ça que... Ah oui, mais même l'améthyste bloc. Le nether rack, vraiment? Ça c'est pas mal ça. Attends, mais même le nether rack, on peut pas la faire spawn? Ouais. Mais il n'y a pas de terre. Ouais, après, ça nous servirait pas à grand chose. Hein. Non, on aura qu'on s'en fout en vrai. Est-ce que la plateforme que Maymay doit faire doit être de terre ou ça peut être n'importe quel bloc? Là, il y a un bloc de fleurs à l'intérieur. Ok. Et là, on la récupère quand on a. Ah oui, il est tout ici, ok. Ah bah, quand tu casses un coffre. Non, mais t'as raison. Je me pose la question parce que je cherche, tu vois, ce qui peut ou pas.
Bah j'ai vraiment l'impression que la solution c'est d'aller explorer et de tomber sur une forteresse quoi, mais... Bah le truc c'est qu'on a exploré... Bah après si les villages spawnent pas, ça peut pas nous aider. Bah je te dis, à part les forteresses, je vois pas trop ce qui peut nous donner de la lave. Ouais, le truc, et dans les forteresses, le chat, vous avez raison, mais le truc c'est que les plateformes sous mes pieds, moi, elles sont... Moi, dans mon sens, ça peut pas spawn. Dans mon sens, ça peut pas spawn. Si vous parvenez à avoir un chat, appelez-le Poupou. Merci, c'est... Waouh. Merci beaucoup pour l'aide. Ok, merci. On va bien avancer okay. Avec ça. Et en plus, ça. Apparemment, un marchand ambulant, ça peut pas permettre d'avoir le spawn. Ah putain. Anyway. Ah mais ça a planté, là. Un truc à planter. Ça lag puisque j'ai fait un slash locate. Ah ok, t'as fait un slash locate. Okay. Ah, et non, voilà, okay. C'était pour vérifier qu'il n'y avait pas de manoir, mais il n'y en a vraiment pas. Ok, donc c'est vraiment... Il y a qu'un son goal. Bah écoutez, non, je sais pas, peut-être que c'est une question de... Je suis pas sûr que ce soit finissable du coup. Bah ouais, c'est... Bah après en fait, si ça tombe, s'il y a à aucun moment un truc qui tombe... De live. Écoutez, moi ce que je propose c'est qu'à la place, dans ce cas, à la place d'essayer de finir le jeu, on fait une maison quoi. Ou alors on se give un saut de lave. Fait une jolie maison. Je vous rappelle qu'on a commencé cette aventure, Saito nous a dit c'est tout à fait finissable, la map est bien faite. Mais vous battez pas. Tout le monde fait des erreurs. Vous êtes des abuseurs. Bah, sinon on se give un saut de lave en vrai. Oui, on se give un saut de lave. Après, un saut de lave ça suffira pas parce qu'il faut qu'on fasse le portail en entier. On se give de l'obsi direct. Vas-y, give nous l'obsidienne, ouais. En fait, je suis sûr que. Ça se trouve, faut juste qu'on mine jusqu'à l'obsidienne, hein. Ça se trouve, c'est que ça. Hein. Je crois pas. Bah, je sais pas, une fois qu'on a l'obsidienne. On va regarder quand même. Parce qu'on a le. Parce qu'on est d'accord qu'on a le. On est d'accord qu'on a le. De toute façon, on a un fil d'Etsil là. Quelque part, je l'ai vu dans un coffre. Hein. Bon, je sais pas où il est, mais je sais qu'il y en a un, je l'ai vu. On a un fil d'Etsil. Si vous creusez à deux, un peut prendre la pioche et l'autre en permanence pour avoir pas besoin de changer d'outil. Si vous êtes trois, le dernier peut prendre une pelle. Oui, c'est vrai qu'on peut taper avec les trois en même temps avec chacun un outil, on irait plus vite, c'est vrai. Cela dit, qu'il est chaudron, oui, mais il nous faut de la lave de toute manière. Ça duplique la lave en fait. Et on a ni lave ni stalactite, donc ça va pas nous aider beaucoup. Ouais, stalactite est jamais sorti. Cela dit qu'on a jamais vu. Dans la salle du Stronghold, il y a de la lave, mais on sait pas où elle est, parce qu'on a même pas trouvé de quoi localiser la salle du Stronghold. Mais après, est-ce que... Tu sais dans quelle direction elle est, la salle du Stronghold, Kit, ou pas? Ouais. Mais du coup, ce serait vraiment de la triche. Ce serait pour aller chercher la lave, ouais, j'avoue. Après, si c'est le seul moyen... Ah, j'hésite, hein. Enfin, on est à 1500 blocs, quand même, hein. Ouais, c'est trop loin. Ok. Bah non, pas temps de changer l'objectif. Bah c'est pour ça que je dis au pire on fait une maison quoi. Au pire on fait une jolie maison et on sera pas si mal. Une jolie maison. Est-ce qu'on peut pas vivre heureux finalement? Il y a des gens qui se réveillent et qui se rappellent du dernier live Minecraft. Ouais, une jolie maison, ouais. Exactement, c'est exactement ce que je faisais. Bah écoutez. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de rejoindre. Il y a plein de nouveaux là. Bonjour à vous tous. On vous fait des gros besoins. Je n'ai plus aucun accès nulle part. Je ne sais même plus par où. Petit rappel, n'hésitez pas à follow la chaîne. C'est toujours un plaisir. Si vous êtes riche et fortuné, vous pouvez vous abonner pour nous aider si vous le souhaitez. Et encore mieux, si vous connaissez la chaîne Twitch, mais pas la chaîne YouTube, n'hésitez pas à suivre Club Pingouin sur YouTube. C'est très très cool. Presque 300 000, c'est le moment. C'est vrai qu'on est bientôt 300 000. Et si on est pauvre, et bah vous regardez le contenu et ça fait déjà beaucoup pour nous aider. Oui. Pas besoin, pas besoin. Et vous pouvez aller voir les autres stages de la tâche. En parlant des vidéos, les monteurs ont fait des couilles pas rares, un truc mauvais. La vidéo est bien montée et tout. Oh merci, les gens qui avaient retiré dans la vidéo m'arrivent pas. Si le moment explique que Célestin était un connard. Et du coup, dans les commentaires, ils sont en mode, mais tu es un bébé. Dernière scène. Ouais. Oh non, le son. Le son, le bug son. Comment ça le bug son? Mais en fait j'ai le problème, j'ai oublié de relancer. Ça fait 2 heures qu'on est en live donc il y a un bug son. C'est le fameux bug son du live, ça c'est vraiment, je jure, le jour où quelqu'un a la réponse de savoir pourquoi j'ai le bug son, vraiment n'hésite pas à me le dire, c'est insupportable. Faut que je relance toutes les 2 heures le Discord sinon c'est pas ça. Ah ouais.
Chaud, chaud, chaud. Ouais. En fait, je sais pas pourquoi, mais Discord, au bout de deux heures, je ne sais pas pourquoi, ça se met à grésiller sur le live. C'est affreux. Et ouais, bah là, on était focus et j'ai oublié de... Oh, je suis mort. Je vous jure, arrêtez de faire les prédictions sur la mort. C'est terrible. C'est terrible. Bon, écoutez, il faut qu'on décide un objectif, là. Il est 19h10. Dites-moi juste qu'est-ce qu'on fait, là. Honnêtement, plus je regarde cet endroit, plus je me dis, c'était pas si mal, la guerre. Ça ressemble à rien, là. Ah, au revoir, Kid Moon. Je me suis trompé de direction. Non, mais j'ai Nitro, j'ai Nitro en plus, hein, j'ai Nitro, c'est pas une question de Nitro, les amis. C'est vraiment juste que Discord, je sais pas. Il y a des problèmes entre Discord et OBS, des fois, il y a des problèmes un peu bizarres. Écoutez, est-ce que c'est pas le moment Je sais pas, j'en sais pas. Non, mais il faut qu'on réalise un objectif, il faut qu'on réalise quelque chose. On va pas s'arrêter sur rien. On va faire un objectif. Quoi ? Vous êtes disputé. Oh, super, bah super. Non mais go, en vrai, go faire une jolie maison. Qui veut faire une jolie maison avec moi ? Ok, je décide. Qui veut faire une jolie maison avec moi ? Personne ? Bah je fais une jolie maison tout seul dans ce cas. Personne. Ouais, la réponse est rapide. Vous quoi ? Personne veut faire une jolie maison avec moi, je fais une jolie maison tout seul. Tu es sur ton côté du coup ? Bah personne veut faire une maison avec moi, donc je fais une maison tout seul. Objectif, objectif Kit Moon vient, on crée un modpack fonctionnel pour la prochaine fois. Ouais, c'est vrai que... Ce mode là, il marche pas très bien. Il me suit. Waouh. T'es fait des jeux. Waouh. Mmh. Je suis choc-barre de baiser. Ok, je vais faire la plus jolie maison que vous ayez jamais vue. Elle ressemblera à quoi, dis-moi? Déjà, elle aura des piliers en pastèque. Pas en pastèque, en... en pastèque. Quoi? Non, elle aura des piliers en citrouille. Des piliers de citrouille, ok. Merci beaucoup Sheldo qui a deux abonnements. Je ne sais pas pourquoi, mais merci beaucoup. Sheldo. Merci beaucoup Sheldo. Merci, merci infiniment. Vous savez quoi, je vais faire un truc que je fais habituellement sur mes streams et là j'ai envie de le faire avec le chat ici. Vous avez tous une émote normalement. Une émote incroyable qui est directement intégrée à Twitch qui vous permet de mettre une main. Genre vous faites une petite main dans le chat. Est-ce que, voilà, exactement comme le coucou là. Le coucou que vous avez, pour ceux qui sont subs, sinon vous mettez juste une main. On va faire un truc, tout le monde va spammer, je vais dire bonjour à tout le monde. Mettez juste des mains. Oh. Bonjour Fanfix Smiley, bonjour Slowguy, bonjour LVGBA, bonjour Sparto, bonjour Lipataman, bonjour Doc2TV, salut Plomunis, salut Adamas, comment ça va The Hipkiss, salut Jean-Cul Saito, salut Super Senior. Attendez, et Kit Moon, tu m'as gifté l'obsidienne? Ah, pas du tout! Ah, ok, pas comment t'as trouvé ça? Non, mais j'ai cru vraiment qu'on avait l'obsession dans un code depuis le début. Genre, voilà. Salut Pebble, salut Frenchcore! Salut Fremzio, salut Nimposteur! Oh, j'adore ton pseudo! Salut Cassouille! Cassouille, c'est adorable, Cassouille! Epic Bruh, c'est un modo ça! Ouais. Salut Monsieur Koro, salut Orion Axolotto! Salut Sakuto, salut Hatcha, salut Yann, bonjour à tous! Et bonsoir du coup, parce que bah, c'est bientôt fini d'ailleurs. C'est bon, vous pouvez arrêter de spammer, Twitch est content. Vous avez bien fait votre boulot. Twitch va dire oh là là, il y a beaucoup d'activités sur ce chat là. Du coup, bah on va avoir plus de gens qui vont s'emmerder à nous regarder. Ça va être sympathique. Quand tu les as manipulés, c'est honteux. Ah là là, je vous manipule. On est. Qui attention, Kit Moon! Mais tu es un créatif, Kit Moon. J'ai une question. Wow. Qui a. Eh, j'ai une question. Qui a le. Qui a le film test sur lui? Aïe! Je l'ai posé dans un coffre normalement. Ouais, je ne le trouve pas. Je le vois pas. Ah attends, non, je l'avais balancé à Cry un moment. Le briquet. Je le refais. Je refais un briquet. Est-ce que tu l'as dans ton inventaire, Crayou? J'ai vidé mon inventaire, donc non. Très bien, je refais un briquet. Changement des modes foufou. C'est pas ça. Ah putain, j'ai. Ouah, vraiment, je suis bourré. J'ai essayé de faire un briquet avec du charbon. Putain, vraiment, c'est gravissime. Oh, le briquet au charbon, vraiment. C'est l'équivalent de la table de craft en cobble de Dream. Hein. Vraiment, c'est. Le briquet au charbon, il m'a mis mal à l'aise. Mais tout le monde le prend pour un con. Le briquet au charbon, il était dur. Fonctionne pas. Non, le portail. Non, mais le portail, il est. Le portail, je l'ai vu dans le sens de Meili. Je l'ai vu dans le sens de Meili, c'est normal. Ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Attends, non, même pas de gravier. On aime bien ça. Mais putain, mais pourquoi putain, on avait pas de. Ça casse les couilles. On avait pas de gravier, on a rien. Mais où est le flip de style, je m'en supplie. Mais si, on a besoin de gravier. Parce qu'il nous faut un silex en fait. En fait, on aurait dû faire un vrai skill. Non, je sais pas. Ouais. Mais attendez, mais on a rien, on a pas de silex, on a.
Ah bah, oh là là, il est apparu dans mon inventaire par magie, coup de chance. Un petit oh là mot là de là là vraiment, donc, ça, quand des trucs apparaissent dans mon inventaire par magie, c'est que Kitoon a envie de terminer le live. Ok, regardez, vous m'avez tous dit qu'il était à l'envers, regardez, attention. Hop, ah tiens, il fonctionne. Oh, zut alors. Bizarre, alors que vous m'avez dit que c'était pas dans le bon sens. Alors, on va ajouter un petit quelque chose, le chat, j'aimerais que vous remerciez tous, vraiment Saito à base de petits cœurs ou autre, qui essaye de faire marcher ce stream alors que c'est un chaos total. Vous ne vous rendez pas compte à quel... Pourquoi j'entends des cochons là? Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué actuellement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, c'est bon les gars, je crois que c'est réglé. Comment ça? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je crois qu'on a un portail de quelque chose, je sais pas de quoi. Échappez-vous de l'île. Bah. Quoi? Bah, en fait, c'est ça la fin. La fin, c'est juste à miner assez de blocs et du coup, bah, tu peux t'échapper de l'île. Quoi? C'est bon. J'ai fini le jeu. Allez, salut, hein. Et qu'est-ce que. Genre, quand tu te mets dedans, ça met escapade à distance et si tu regardes le succès, c'est échappez-vous de l'île. Ah, mais non, ça veut. C'est un. C'est ce que t'as dans l'end. Oui, une fois que t'as tué l'end dragon. Mais faut lancer une. Ah oui, mais on peut pas le casser. On n'a pas une. Attendez, en vrai, venez, attendez, faut qu'on essaie de. Attendez, faites rien, faut qu'on essaie de faire spawn un Enderman. Faut faire spawn un Enderman. Pour récupérer une perle, et avec la perle, on lance la perle à l'intérieur. Et j'arrive pas à passer, c'est terrible. Je suis perdu là. Mais en fait, c'est les trucs dans l'end, tu sais, c'est pour se téléporter. Bah en tout cas je disais gros bisous à Saito parce que franchement mec tu gères à essayer de le faire marcher ce stream. Il marche très bien. Il marche très bien ce stream, je sais pas de quoi vous parlez, il fonctionne extrêmement bien le stream. Et Saito a toujours une foi indéflectible dans ses conneries. Et je vous jure que le stream fonctionne, ça se voit bien que ça fonctionne, regardez, tout fonctionne très bien là quand même. C'est mon boulot, moi je suis là pour sniper, c'est mon boulot. Sacra, il a recommencé League of Legends, c'est fini, on l'a perdu. Oh, si tu savais comment ça s'est passé la première. Alors sachez que, ah oui, les gens savent, hier on a fait une team League of Legends, on a été exceptionnels. On est en train de vous préparer le Trash Esport, hein, ça arrive. Le Trash Esport, ça arrivera un jour. Alors sachez qu'on a découvert que Cross, notre petit rédacteur de Science Trash tout gentil, c'est un démon sur le... Cross était une des personnes les plus toxiques que vous ayez jamais vues de l'histoire. Laissez-moi deviner, il joue volley bière. Non. Alors non, je joue pas. Il joue Vel'Koz, bizarre. Il joue Vel'Koz, il est toxique, bizarre. Tu sais, les gens comprennent. Mais il a enculé X-Paris. X-Paris, il en prenait vraiment pour son grade. Oula. C'est X-Paris, vraiment, il en a pris pour son grade. X-Paris, il a passé 3 heures à se faire entendre répéter qu'il était le pire joueur de l'univers. Ok. Bah, bon, après, c'était vrai. Mais, mince. Je suis tombé dans le vide. Ok, moi aussi, je tombe dans le vide. Moi aussi, je tombe dans le vide et je prends le bon axe. Pour tenter de faire spawn des mobs, parce que vraiment, sinon... Pourquoi Mélie est mute? Elle dort. Mélie a fait une sieste, là. Elle rompiche. Mélie a fait une sieste, vous inquiétez pas. Elle regarde Bleach en accéléré. En fois deux dans le métro. Non, elle rata par canne, là, je pense. Ok. Je pense qu'elle a dû avoir bien le seum de se faire... comment on appelle ça, spoiler par contre. Ouais. Oui, bah je joue, oui, clairement. En même temps, comment on aurait pu deviner que Jinx allait faire ça, là? Fils de pute qu'il est. Est-ce qu'il nous reste de la... Attends, en général, il me faudrait un peu de terre. Et je pense qu'avec de la terre, je peux aller chercher le... Je peux faire un spawn des trucs. Faut être un peu éloigné. Oh putain. Ok, toute la terre tombe dans le vide. Tout le monde dort, putain. C'est le stream. Mais le pire c'est que... Viens, on appelle ça le stream sieste. J'ai un autre stream jusqu'à minuit, juste après, à 20h. Non, c'est vrai, on appelle ça le stream sieste. Hein. Oh, tu vas te faire des ennemis. Non mais c'est bon, c'est pas comme si j'avais dit que Jinx était morte. Quoi. C'est très probable en plus vu que... Épisode 6. Vu que c'est le lore des personnages du jeu, c'est hyper probable. Je propose la chaîne Trash Dodo. Oh, il y a juste un chibi qui dort en fond. Et c'est ah bah, n'hésitez pas à aller regarder ASMR Trash. n'hésitez pas. Fan fiction, Matar, Neoxys, mais vous avez des idées bizarres certains. Ok. Il y a une chaîne ASMR Trash ou ah, des vidéos pour... Il n'y a plus de portail, il a disparu. Quoi? Pourquoi il a disparu? Bah il a été remplacé par un bloc de glace, je ne sais pas, moi je ne touche à rien. Oh merde. J'ai rien touché non plus. Il marche j'avais pas trop attendu, je pense. Il y a Plo qui dit n'hésitez pas à regarder la chaîne VOD aussi. C'est vrai qu'on a une chaîne VOD. Plo qui. Lola. Qui attends, je lisais le chat, j'ai fait tomber dans le vide. Moi j'existe, moi aussi, je suis là. Oh bordel, oh merde. Bah écoutez, là, bon, donnez-moi. Franchement, ok, c'est quoi? Donnez-moi un objectif dans le chat là, et le premier qui trouve un objectif sympa, je le fais. Et voilà, c'est parti. On a le Nether là. Bah je suis dans le Nether, mais en fait y a pas de bloc dans le Nether. Et j'ai pas vu de. Y a pas... Non, vous en avez pas de bloc, mais en plus j'ai même pas vu de structure dans le Nether. Voilà, je suis dit qu'il Ah, le. Attends.
Il y a un truc. C'est bon, le chat t'a donné un objectif, Saito. Mourir. Le premier truc que j'ai vu, c'est mourir. Le premier truc que j'ai vu, c'est mourir. Bah écoutez, je suis pas fan de l'idée. C'est une game de LOL, ouais. C'est pas le thème. Créer un harem sur Minecraft. Ouais, pas fou. Faire spawn un Wandering Trader. Non, mais ça nous aura pas trop le Wandering Trader. Et la cave à Saito. Bon, c'est la confrérie des cochons là. Tomber un peu les cochons. Oh non, j'ai voulu tuer les cochons, je suis mort, voilà, je me suis fait karma. Oh, je suis tombé avec un cochon. Mais on la voit la forteresse. Ah ouais, je l'ai pas eu moi. Attends, vas-y, j'arrive. Moi, depuis tout à l'heure, je fais du jump. Hein. Ouais, j'arrive. Non, poussez-vous les cochons. Dans Minecraft Civilization Parcours Jump, on doit sauter pour survivre. Ça ne vaut pas le coup d'aller chercher la côte de bœuf alors qu'on peut avoir le poulet. On la voit là? Mais comment ça on la voit? On voit rien du tout là. Attends, je la vois, mais c'est peut-être un mode. Comment ça, un mode? Moi, je vois rien. Attendez, peut-être que je peux mettre plus de chunk. Cryem s'est fait tuer. Pourquoi le M d'ailleurs? Mikolian. Oh, je suis à 20. Sur Twitter, mon contact c'est Mikolian. Ah, ok. J'aime bien avoir des noms de famille. Bah, là, je suis à 32 de chunk, je vois rien. C'est un truc de jouer à RP sur les. Mais il est vraiment loin. Je comprends. Là. Je vois le portail, mais en fait, c'est avec un mode qui permet d'avoir une render distance de genre 100. Ah, 100 bah, d'accord, ok. Ok, désolé, monsieur. Kit Moon qui fait tourner son jeu sur le PC de la NASA d'ailleurs, hein, on n'oublie jamais. Non, même pas, je suis sur un PC portable. Une statue en l'honneur des Bigouden, c'est vrai. On pourrait faire ça. Avec les piglets, on peut farmer de l'or, mais ça va pas nous aider beaucoup, farmer de l'or. Allez, je vais commencer à lire le chat. Fabriquer un lit pour que Maïli puisse aller se coucher. On a même pas de laine. Putain. Ciao. On vit dans un monde. On vit dans une saucisse, je crois. Une ville, allez, on fait une ville entière. Allez, vas-y, on fait une ville entière. Et là, on fait une ville. Let's go. Allez, on fait une ville. Allez, moi je vais lire le chat avec une musique en fond, bougez pas. Allo, allo. Allo, allo. Allez. Baldur's Gate version Minecraft. On attend toujours la suite de Baldur's Gate, c'est tout. Oh, qu'est-ce que j'aime, Baldur's Gate. Non, je suis encore tombé, j'en ai marre. Je suis trop de putain, je fais que mourir, c'est horrible. Oh, je fais que mourir, quelle catastrophe. Alors, allez, on part sur une lecture du chat. Allez, vas-y, le chat. Coucou, Sario. Pixel art, please. Le statut de chaussettes qui font de la ASMR. E5. Allez. Une ville avec plein pigmen. Objectif, faire meute de furet. Statut de pingouin. Ok. Objectif, faire meute de furet. Les phrases pas. Un petit MLG avec changement de direction. Comment allez-vous, mein camarade? Les chaussettes de Saito. Prout. English or Spanish. Tout va bien, Sario? Non, je vais pas bien. Je vais vraiment pas bien. Ouais, tout serait mal, alors. Ah, ça a fini sur un zizi, c'est le moment où je dois m'arrêter. Et quoi le mode? Tu ne veux pas le mode? Non, vous voulez pas, pas le mode, vous en avez pas. Ne prends pas le mode. Okay. Moi, j'ai, mode moi, prend, j'ai entendu pas, un défi. Quelqu'un m'a défié de faire un MLG avec un changement de direction, c'est parti. Taito, tu peux aller dans le Nether, toi. MLG! Il a survécu. Il a bien joué. Vas-y, MLG. Ah, faut que je change de direction. Attends, dans quelle direction je vais moi déjà? Attends, je sais pas dans quelle direction je vais, attends. Comme ça, regarde Saito. Regarde-moi. Ok, donc moi je vais dans l'autre sens, moi je suis comme ça. Ok, donc il faut que... En fait, alors attendez, pour faire un bon MLG, il faut que je vienne, faut que je sois, je serai dans ce sens là, et je tombe par là. Donc il faut que je saute dans le vide, il faut que je fasse une tour comme ça. Ah ouais, ok, j'ai trouvé. Ah putain, j'en suis là, j'ai baillé au point de chialer là. Ah ouais, bon courage pour ton live derrière. Ah ouais, ça va être drôle mon Lethal Company derrière. Ah, tu fais du Lethal Company en plus? Ah, mais chez un pote en plus, en full anglais, je vais être là. Gabou, gababou. Hey, hello, hey, Sario, how are you? Oh, Shoryo, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci beaucoup, Shoryo. Merci, Shoryo. Oh, Shoryo, ça fait longtemps. Merci. Coucou. Bonne nuit, Sao, il est parti vers le vide. Tourner dans le vide. Ok. C'est toi plus investi pour faire un MLG Gravity que le One Block? Bah écoutez, le One Block j'ai essayé, franchement j'ai tout donné. On a tous essayé, j'ai on tout a donné. Tous franchement essayé. J'ai tout donné. On avait dit. Même Cry il a arrêté de miner. Oh ouais, j'ai abandonné là, ça y est. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? On a compris qu'il ne se passe pas rien. Justement, comment était ta sieste, Maïli? Comme ça.
sais même plus dans quel sens faut que je fasse. Si je fais comme ça. J'étais en train de gérer un truc. Là, ah merde. Bon, mais t'inquiète, voilà. On n'arrive pas à avancer. Saito, il essaye de faire des MLG. Hitmoon, il fait des portails en cheatant. Ok, c'est parti. MLG, genre à faire des trucs genre 3, 6, 9. C'est quand tu te rattrapes avec un solo. Ah, voilà, ah oui. Et c'est parti, c'est pour le chat. C'est le point culminant du live. Le point culminant en question. Hein. C'est le point culminant de live, ok. Je suis fatigué. Allez, vas-y. Oui. On l'est tous, Mehdi, on l'est tous. Bah, écoutez, non, mais très bien. Bah, écoutez, j'essaie de trouver une façon de terminer le live. Pourquoi, qui est une fin. Pourquoi la terre devient grise? Ah, parce que c'était un type de terre. Oh ouais, non, je l'ai fait à l'envers. Putain. Parce que quoi? On se fait envahir par le mycélium. C'est quoi le mycélium? Ah, il y a de l'eau partout. J'ai envie de mourir, je l'ai fait à l'envers. Putain, c'est si nul. C'est la pire apogée du stream. C'était l'apogée de rien. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. C'est le pire live de l'histoire. Okay. Voilà. On va le faire. Un jour, il va se passer un truc. Je vous promets que... Ne partez pas de suite, il va se passer quelque chose à un moment dans ce live. Tu me mords pas, chaton. Je pense qu'il est temps de dire au revoir aux gens. Non, regarde. Laisse une petite demi-heure avant ça. C'est le déni. Va dans le nether. Je te promets. Laisse une petite demi-heure à Sareo pour récupérer. Je vous promets qu'il va se passer un truc. Ça va, moi, ça va. Je vous promets qu'il va se passer un truc. Non, mais j'essaie de trouver une raison, Sareo. C'est quoi, c'est ça que j'avais fait? Ah oui, j'ai fait un truc comme ça. Et là, on est d'accord que je suis tombé et que. Ok. C'est le point culminant du live. C'est le véritable point culminant du live. Ayez pas peur. C'est le véritable. Non, Sareo t'abuse. Sareo t'abuse. Longue vie au roi. C'était le point culminant. C'est que moins il y a de points culminants, moins plus le live continue. Vous vous rendez pas compte hein. J'ai vu deux streams Minecraft des Trashers, ils étaient tous les deux catastrophiques. C'est vrai The French Geek, c'est vrai. C'est comme ça. Non, j'arrête. Je regarde juste. Comme ça on a deux points culminants. Le point culminant. Le point culminant. Ok, le point culminant. Vas-y, j'ai deux POV. Ok, c'est le point culminant du. J'ai menti. J'en étais sûr, je le savais. C'est même pas trop. En fait, ce qui aurait été surprenant, c'est que tu ne le fasses pas. Enfin là, je le savais que ça allait arriver. C'est vraiment, il a. Enfin là, il n'y a même plus rien. Pardon, Lolo, vas-y, tu peux y aller. Ok, le point culminant. Y'a Kidmoon qui vient de spawner derrière toi. Ah, la bonne stratégie. Je ne connaissais pas la technique du jeu place un bloc. Ok, c'était le bloc infini. Okay. Attends, pour de vrai, je vais juste faire un deuxième POV là. Ok, c'est le point culminant. J'arrive. Mais je vais revenir en fait, là je fais, regardez. Ah oui, tu vois, ok, je vois ce que, bon, il faut que j'aille dans l'autre sens du coup. C'est le point culminant. Il y a plus personne qui bouge. Ok, c'est le point culminant. Il y a Cry, il est dans Naruto avec ce... ne plus bouger là. C'est le point culminant. Et pourquoi je suis hyper rapide là? Je pense que c'est Kidmoon qui a rajouté. C'est Kidmoon qui s'amuse là. Tu nous as mis du speed. Il nous a mis rapidité maximum. Okay. C'est Kidmoon qui fait de live. Hein. La dernière fois, il faisait péter des TNT partout. Mais là, comme il y a pas de TNT. Là, j'ai pas de TNT. Allez, pousse-toi, Sareo, c'est le point culminant du live. C'est le point culminant. Sareo, c'est le point culminant du live. On aurait dû garder la tête. Mais arrêtez, vous mettez pas là, c'est le point culminant du live, vous comprenez pas. C'est comme le point culminant, enfin. C'est quoi le point culminant? Mais poussez-vous la plateforme. C'est le point culminant. Ah, d'accord. Est-ce que t'as vu le film La Plateforme? Ça serait pas une métaphore de. Non mais est-ce la qu'on peut me retirer le speed? C'est n'importe quoi. Le point culminant. J'ai maté sans sous-titres, comme la Casa des Papels, comme Hotel Yama, comment bah, tu t'appelles? Désolé le chat, mais y a pas de point culminant. On voudra pas de point culminant, c'est impossible. Vas-y, culmine. Ah, le point culminant. Attention, c'est le moment où je meurs en faisant un MLG. Let's go. Ah, c'est à l'envers. Trop fort. Trop fort, mec. Ah, c'est à l'envers. Trop fort. C'est à l'envers, vraiment. Trop fort. Ah non, si, c'est bon. Ok, c'est le point culminant. Attention, point culminant. Attention. Let's go, le point culminant. Je suis mort. Tout ça pour voilà. Ça. C'est le point culminant. C'est pas drôle, putain. Ça marche pas, le point culminant. Tout ça pour putain. Putain, mais le point culminant, vous comprenez pas le point culminant. Regardez sur le côté. Le point culminant. Ah, les gars, ça, voilà, c'est un vrai point culminant. Ça, c'est un point culminant. Voilà, le point culminant. À moi l'honneur ou on peut le faire ensemble? À toi l'honneur. Non, viens, attends, t'en as un aussi. Vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1. Ah, le bouton ressuscité ne fonctionne plus. Oh, my PC. My PC. Bon,
Bon bah bonne nuit. Il n'y aura donc pas de suite. Bon bah, ça va vous ? Bah moi ça va vous. Personnellement j'ai survécu. Écoute, c'était un super stream. Ah, j'arrive même pas à répondre. Je meurs même pas. J'arrive même pas à mourir. Bah franchement. Alors, vous remarquerez que ça fait quand même deux streams de suite qu'on termine sur une explosion du serveur. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant on n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. On n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit, c'est terrible. Allez, hé les amis ! C'était un magnifique stream. Ouais, le stream était trop bien, ok, bah écoutez. Hein. En vrai, j'ai kiffé quand même. En vrai, c'était drôle, mais bon, pas vraiment. Alors, j'ai un mal de crâne, frère. C'était marrant, mais putain, c'était. Je ne sais pas ce qui se passe, ouais, vraiment. Ah, mais il n'y a plus de bloc du tout, là, on tombe dans le. Hop là. Wow. Allez hop, et regarde, je vais t'amuser. Let's go. Hop, c'est la fin. Allez, c'est fini. Allez, fin du stream. Allez, hop, allez, c'est fini, les gens, là, vous étiez là. Voilà, bravo à tous. Hop, petite musique. La musique est passée joyeuse. Hop. Oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Petite musique. Allez, voilà, le live est fini. Allez, vous êtes contents? S'il vous plaît, on va faire un truc dans le chat. Je vous dis, est-ce que vous êtes contents? Et vous répondez non, d'accord? Oui, est-ce que vous êtes contents? Il était bien le live? Non. Ouais non, 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 c'était nul, non. Génial l'OST. Ah, merci. Non. J'ai quitté pour l'heure, je suis revenu, il y avait une montée de TNT, oui, tout à fait. Non, c'était nul, claqué au sol, non, éclataxe, non, plus jamais, non, j'ai perdu 2 heures de ma vie, c'est bien dit, affreux, claqué au sol. Moi je suis content. Pas ouf, ok, j'aime bien. Ok, pas mal, bah non, je sais pas, super like, oulala. J'ai kiffé le genre, le moment là où... La partie avec... Ouais, il y a le moment où... vous avez parlé au moment où il s'est passé, enfin, quand Cry est miné là. Ah, moi j'ai passé 2 heures à miner. Il a passé 2 heures avec son clic droit enfoncé. La TNT c'était bien. Le pire bloc de Minecraft pendant 2 heures. Non, c'était franchement, c'était pas mal. Hein. Il s'est passé plein de trucs. Genre, il y a eu un moment où Saru il m'a tué. 3 fois de suite. Il y a le moment où. Ah, tiens, le moment où Maïdi s'est endormi. Oui, le moment où Maïdi dort toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, comptez sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour compter un max, compter des chiffres et tout. N'hésitez pas. Il paraît qu'à 1 million, Saito révèle son visage. Hein. Alors, c'est pas. Bon, je révélerai peut-être un doigt de pied, quoi. On verra. À 1 million sur le Discord. À 1 million sur le Discord, je révèle un doigt de pied. Voilà, c'est promis. J'ai le doigt de pied de fou, hein. Ouais. Je suis impressionné. Quoi? J'ai des grands pieds. Après, je dis ça, mais faut pas oublier qu'en Kill Studio a envoyé une urètre. Hein. C'est. Tu vois. Non, mais moi, j'ai des. Après, un doigt de pied, ça va, tu vois. Bon écoutez, c'était bien. C'était bien, on a franchement bien réussi à faire plein de trucs, bravo à nous. Merci encore infiniment, je vais quand même le dire, à tous les gens qui ont fait des subs, notamment Spino qui a fait beaucoup trop de subs pour la qualité de live. Oui, peut-être c'était pas. C'est complètement franchement, vrai. Franchement, c'était pas cohérent, mais j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. C'était trop gentil. Bien sûr, on a... tu as financé le prochain concept de Minecraft sur Saito qui sera. Je sais pas encore, mais ça. T'es quoi, Sakuto? Objectif, un concept qui marche. T'es quoi, Sakuto? Ouais, mais pas le prochain stream Minecraft. Non, mais Sakuto, il glissera dans MP et il trouvera le prochain concept nul sur Minecraft. Voilà. Il pourra décider du mode nul qu'on fera la prochaine fois. Et. C'est quoi la prochaine fois? On fera même une prédiction. Est-ce qu'on arrive à faire le concept? Ce sera juste ça. Maintenant, le fil rouge, c'est. On a des concepts, est-ce qu'on essaie de faire les concepts? Accepte les subs sinon je suis plus content. Ok, pardon. C'est même plus en let's play, c'est un let's play. Après, moi, je tiens à dire un truc, voilà, je le dis comme ça. Super stream tout le monde. Il y a Bob Lennon qui vient de sortir un nouvel épisode de l'intégrale de Skyrim. Non. Si, vraiment. 10 ans, okay. Skyrim, le grand retour, il y a 2 heures. Banger. 46 minutes de Skyrim. Là, c'est le moment, les amis. Bah écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes sur le live, allez regarder Bob Lennon. Ouais. Partez tous. Il y a des trucs à faire. Hein. Là, il y a Cry qui a sorti une vidéo il y a 2 heures, quoi. C'est trop fort, c'est incroyable. C'est fou, Cry. Comment t'as fait ça pour faire en même temps le stream? C'est waouh. La vidéo était prête à l'avance, voyons. Il montait la vidéo en même temps. En fait, non, mais il avait laissé une grosse pierre sur son clic droit qui appuyait et il montait la vidéo en même temps. Alors, attendez. Attendez, je viens de regarder, mais la vidéo, à partir de 17 minutes jusqu'à... Oh mon dieu, quel bâtard. De 17 minutes jusqu'à 44 minutes, il fait juste de la lecture de livres. Il fait juste de la lecture de bouquins sur le jeu. Ah, bravo à lui. Oh, félicitations, Cry. Bravo à Cry qui a le concept. Non mais écoutez, on se retrouve mercredi pour du Gartic Phone et je vous promets que Gartic, ça marchera. Attends, juste un dernier truc. Léo sur le Discord, merci infiniment, c'est super. Voilà. Oh ok.
Merci beaucoup, allez, là tu sais, tu regarderas dans le dans création juste après. Ah ouais, ok, bah écoutez. Oui, et je répète encore pour ceux que ça intéresse, il y a sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre, il y a le, on va faire un vote, enfin on pourra vous proposer des émotes à partir de ce soir. Je le ferai juste après là, dès que j'ai cancel le live. Allez, il est temps, on se fait des bisous, on laisse Sario aller se reposer 20 minutes tout le monde. Là. Plein de bisous. Des bisous, encore et merci à tous, des bisous. Comptez et tout au ça. Prochain mauvais concept sur Minecraft. Allez, prochain. Promis, un jour, il y a un concept qui fonctionne. Promesse, en 2025, un concept sur Minecraft fonctionnera. C'est la promesse que je vous fais. On va faire un Minecraft RP, ça vous fonctionnera bien, c'est trop beau. On dirait faire un moteur Minecraft normal, le cerveau va planter, ce sera super. Allez, des bisous. Bisous à tous, ciao. Bisous. Ciao. Vanilla, ça marche. Bisous. Bisous, plein de bisous.